Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à Je prophétise. J'espère que vous allez bien. Voilà, sans plus tarder, je voudrais vous inviter à partager, partager pour que nous puissions commencer notre programme. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il est exactement 4h32 au Canada. Voilà, alors que nous nous préparons à Commencer notre première prière de la session Je Prophétise. Voilà, de, du programme Je Prophétise. Bonjour, bonjour Katie Eriol, bonjour à tout le monde, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à Marietta Viviane. Bonjour à tout le monde, moi je vais bien, est-ce que le son est bon, tout est bon, vous m'entendez bien, sauf que vous, me, vous ne me voyez pas, est-ce que vous m'entendez très bien, bonjour après, euh, bonjour à Baudelaine, bonjour à tout le monde, mais si je ne suis pas vos noms, c'est de vous que je parle, je vous salue, voilà, dans le nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth, ce programme est formidable, ce programme va vous aider, ce programme va vous permettre de déclarer des paroles puissantes et prophétiques, voilà dans le souci de d'atteindre vos buts et autres. Maintenant, pendant que les gens sont en train de de partager, euh, nous attendons quelques minutes de partage, voilà pour que nous puissions enfin commencer. Alors, je profite euh, le temps de lancer la prière. Je profite pour vous préciser que. Ne vous inquiétez pas pour le site Internet parce que beaucoup y sont allés mais ne pouvaient pas se connecter ou bien le site ne chargeait pas. Bien-aimés, vous comprenez au moins que euh, le programme Je prophétise est un programme qui dérange un programme qui dérange. Vous avez vu combien l'ennemi nous a attaqué, l'ennemi nous a empêché, l'ennemi nous a... Je vous assure que même actuellement, là, euh, les ingénieurs sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Depuis 3 heures du matin, j'ai été notifié que <laughs> on avait des attaques, on avait des attaques, on avait des attaques. Et que voilà, le serveur, le serveur, le serveur avait un problème, donc voilà... Euh, on est en train de travailler en même temps. Vous voyez qu'on vient de toucher à un sujet qui dérange. On a touché à un sujet que l'ennemi n'aimerait pas. Je vous avais dit que la prière prophétique était quelque chose de puissant et redoutable. Beaucoup de gens ne m'ont pas cru quand j'en ai parlé. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez de vos propres yeux. De vos propres yeux que rien que pour un programme de prophét prière prophétique, regardez ce qui se passe. Moi, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Pour que vous croyez en ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin d'insister. Mais regardez vous-même. Regardez depuis le programme est arrivé. Vous créez des comptes, ça ne passe pas. Vous faites ceci, ça ne passe pas. Toujours, on nous dit attaque, attaque, attaque. Heureusement que nos sites internet sont ultra sécurisés. Donc vous pouvez comprendre que euh, ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous pouvez, vous pouvez comprendre que l'ennemi n'aimerait pas que vous proclamez des paroles prophétiques. Vous savez pourquoi? C'est parce que pour détruire la vie de quelqu'un, il faut la maudire. Or, la prière prophétique révoque toutes les malédictions. La prière prophétique change tout ce qu'ils ont décidé. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un dise, je prophétise que tout ce que ma famille a prévu pour moi soit changé en ce que Dieu a prévu pour moi au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce que les hommes ont prévu pour moi soit changé en ce que Dieu a prévu pour moi au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qu'ils ont décidé dans les ténèbres soit révoqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bien-aimé, nous avions commencé. J'ai déjà commencé à parler avec vous. Vous êtes installés. J'attends un certain nombre de personnes avant qu'on commence à remercier le Seigneur, étant donné que, bien-aimé, euh, nous, nous attendons que les gens s'installent. Que les gens s'installent. Esprit de Dieu, je t'adore. J'ai été ma vie, ma vie est. J'ai été... étant ton... Agneau de Dieu. je t'adoré. J'ai... T'es donné ma vie, ma vie. J'ai t'aime, aimé tant. Alpha, Omega, je t'adore et je te donne. Ma vie, ma vie, j'ai... Bien-aimés, Bien je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux de participer, de, de, de faire ce programme pour vous. Vous voyez, je vous ai dit, prophétiser sur sa propre vie, c'est puissant. Alléluia. C'est très puissant et ça aide. C'est très puissant et ça aide. Donc voilà, euh, nous avons bientôt atteint le, le nombre qu'on attend et on va commencer. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as partagé à plusieurs personnes parce que si tu ne le fais pas, comment pourrons-nous réussir? Il faut mettre beaucoup de cœur pour démarrer. Mets beaucoup de cœurs. Il faut choquer certains les cœurs. Là, voilà. Bien-aimés, bonjour, voilà, nous allons finalement démarrer la prière de la session Je prophétise. Voilà, nous sommes en prière, nous sommes en jeûne et prière et euh, normalement le jeûne commence à 5h du matin, heure des États-Unis, 5h du matin, heure de l'Europe et ailleurs. Mais je sais que, étant donné le, le décalage vrai, nous sommes obligés de nous adapter, obligés de faire avec, obligés de, voilà, euh, faire ça comme ça donc bien aimé c'est un réel plaisir pour moi d'être là avec vous je suis très heureux de faire ce programme dans l'intention d'aider les enfants de dieu le seigneur m'a donné l'ordre de faire un programme en fait de prophétiser et c'est la raison pour laquelle nous sommes là maintenant que nous avions démarré, démarré notre programme pardon euh, nous allons dire merci euh, à l'invité spécial jésus christ est l'invité spécial il est même le parrain de ce programme il est même le maître le roi donc voilà, élevons la voix et disons merci à notre Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est un réel plaisir pour moi de venir au devant de toi, devant ton hôtel de prière, et de te dire merci. Merci Seigneur, tu sais combien l'ennemi m'a attaqué, attaqué physiquement, attaqué spirituellement. L'ennemi a essayé de, de passer par tous les moyens pour empêcher ce programme intitulé Je prophétise. Seigneur, nous allons prophétiser, mais nous ne pourrons le faire sans ta présence. Je suis très heureux, Seigneur, de ce que tu me donnes le souffle de vie ce matin encore une fois, avec ce peuple galvanisé, déterminé et prêt à tout pour gagner sa victoire. Père éternel du Tout-Puissant, vraiment, protège-nous. Nous, nous t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, de sorte à ce que, quand nous allons finir de prophétiser, proclamer, pendant ces jours à venir, que nous soyons bénis. Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que je suis en train de faire ce programme, j'aimerais que ta puissance m'accompagne, ton onction me couvre. Et j'aimerais que tous ceux et toutes celles qui sont aussi connectés pour participer au programme, je prophétise, soient bénis. Éternel, n'oublie personne et n'abandonne personne. Je te loue, je te rends gloire, je t'adore, je te magnifie, je t'exalte et te célèbre. Et je sais que, Père, avec toi, nous avons la victoire. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu des dieux. Nous te louons parce que tu es le roi des rois. Nous te, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Sois béni, Père. Sois, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni pour tous tes bienfaits. Sois béni pour ta grandeur. Sois béni pour ton, pour, ton, pour ton honneur. Sois béni parce que ton nom est saint et puissant. Saint et redoutable. Saint et fort. Saint et grand. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne, Seigneur, parce que tu es bon. Que, que, que l'honneur te revienne parce que tu es grand. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs qui sont connectés. Merci, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui vont prendre le contrôle de ce moment, euh, prendre ça en direct ou en différé. Seigneur, veille à ce que chaque personne soit touchée, soit libérée soit nettoyé, purifié et soit délivré des paroles que les gens ont déclarées sur sa vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est un réel plaisir pour moi d'être là et de proclamer ton nom, ta bonté, tes bienfaits, tes hauts faits. Mais Seigneur, nous aimerions que tu prennes le contrôle de ce moment. Nous, aimerons, nous aimerions que tu prennes le contrôle de ce lieu. Nous aimerions que tu prennes le, tu prennes le contrôle de nos vies. Nous aimerions que tu prennes le contrôle de nos âmes. Nous aimerions que tu prennes le contrôle de nos décisions. Nous aimerions que tu prennes le contrôle, que tu nous couvres, que tu nous protèges, afin que la gloire te revienne et que la honte soit dans le camp de ceux qui nous maudissaient autrefois. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais de ce moment un moment de bénédiction, de combat, de victoire et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Tout le monde dit Amen il est le dieu qui délivre il est le dieu qui me délivrera il est le dieu qui délivre il est le dieu qui délivre Et il sauva jonas du poisson géant donc bien aimé tu vas tu vas tu vas te concentrer et tu vas fermer les yeux et tu vas le louer. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, merci Seigneur, touche ma vie ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta protection. Nous avons beaucoup d'attaques, mais nous avons besoin de ta protection. Alléluia, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Je bénis ton nom pour tout. Je bénis ton nom pour ta gloire. Je bénis ton nom pour ta puissance. Et nous te demandons la protection à l'instant même, Père. Nous demandons ta protection, nous demandons ton amour, nous demandons ta grandeur, nous demandons ta puissance, nous demandons ta, ta puissance et ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'ai voulu préciser quelque chose. Vous savez, nous sommes à un programme de jeûne et prière. Si vous remarquez bien, il est bien dit, je prophétise. Je prophétise jeûne et prière. C'est bien de mettre des icônes pour montrer votre présence. C'est bien de mettre amen pour montrer que vous êtes présent. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Soit on prie, soit on s'amuse, soit on se concentre, soit on se dispose. J'ai pas envie de m'arrêter de temps à autre pour dire aux gens n'écrivez pas. Vous savez tous comme moi que si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons être sérieux. Donc, euh, bien-aimés, beaucoup de gens ne se concentrent pas dans la présence de Dieu et je voudrais que vous fassiez ces prières prophétiques concentrées. Vous savez, quand on fait des choses avec sérieux, le résultat est toujours bon. Dis à quelqu'un, quand on fait les choses avec sérieux, ça, tu peux l'écrire, le résultat est toujours bon. J'espère que ce moment ne sera pas pour toi une occasion de venir. Euh, Écris Amen, Amen, au lieu d'ouvrir ta bouche pour prier. J'espère que ce moment sera pour toi une occasion de proclamer des paroles dans ta vie. Alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Euh, sois concentré quand nous allons prier. Certaines personnes ne comprendront ce que je suis en train de dire, parce qu'il y en a là, peut-être que leurs esprits-là les ont suivis jusqu'ici. Donc, que Dieu les aide à rester concentrés. Donc, voilà. Tu vas te joindre à moi, bien-aimé. Et puis tu vas dire encore merci à Dieu. Tu vas lui rendre encore grâce. Tu vas lui dire gloire à toi, Père éternel. Tu vas lui dire gloire à toi, Dieu d'Abraham. Tu vas lui dire gloire à toi, éternel des armées. Tu vas le louer, le magnifier, l'exalter. Tu vas bénir son nom. Il faut vraiment que tu profites de ce moment. Bien-aimé, quand on fait des choses ou quand on fait les choses avec sérieux, le résultat est toujours bon. Élevons la voix et disons merci à notre Créateur. Prions. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, c'est avec un réel plaisir que nous sommes là pour te louer, te magnifier, t'exalter et te célébrer. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Seigneur, merci pour nos vies. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour tout le monde. Merci pour toute la grande famille Océan des Grâces Internationales qui est connectée. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci éternel roi des rois. Merci éternel, Dieu des armées. Nous bénissons ton nom pour tout, te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons, te glorifions parce que tu es saint. Merci. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci roi des rois. Merci Échadé. Merci Jéhovah pour tous tes bienfaits. Merci, 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 merci pour tout. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, pardon que je suis en train de prier. Seigneur, j'aimerais que pardonne mes péchés. J'aimerais que tu, tu me pardonnes mes, mes péchés, mes erreurs. Mes erreurs, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul, tu sais comment j'ai vécu ces dernières années. Toi seul, tu sais comment je me suis battu ces dernières années pour faire ta volonté. Toi seul, tu sais comment ces dernières années nos vies n'ont cessé d'être secouées par l'ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, tant en rêve que physiquement. Tes enfants n'ont pas cessé d'être attaqués, d'être violentés, d'être abusés, d'être attaqués, d'être jugés, d'être condamnés, d'être provoqués. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu sais combien l'ennemi nous incite chaque fois à violer tes paroles. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ceux de mon Église, de mon ministère et de tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Seigneur, je te dis pardon. Je te demande pardon. Je te demande ta miséricorde, Père. Seigneur, souviens-toi que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour mes sœurs, je te demande pardon pour mes tantes, je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit et fait du mal, consciemment et inconsciemment. Seigneur, je demande pardon pour ma famille maternelle et partenaire, pardon pour ma mère, je demande pardon pour mes frères, je demande pardon pour mes sœurs, je demande pardon pour moi-même. Pardonne-moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon. Pardon pour ma vie. Pardon pour tout, pardon pour mes, mes erreurs, pardon pour mes fautes, pardon pour les incompréhensions, pardon pour les mauvais jugements, pardon pour les mauvaises appréhensions, pardon. Père, si j'ai mal jugé quelqu'un, si j'ai mal pensé sans le savoir consciemment ou inconsciemment, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ma famille maternelle et partenaire éternelle. Je te demande pardon pour mes frères et soeurs. Je te demande pardon pour mes tantes et cousins. Je te demande pardon pour mon pays. Je te demande pardon pour mon pays d'adoption. Je te demande pardon pour mon pays. Je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour les dirigeants. Éternel, je te demande pardon pour ceux qui y vivent. Je demande pardon pour mes voisins, pour mes voisines, pour tout le monde. Père, je demande pardon pour tous ceux qui ont habité cette maison avant moi. Je demande pardon pour mes parents. Je demande aussi pardon, Père, pour tes enfants. Pardon. Pour les églises dans lesquelles nous sommes passés, pardon pour les mésententes, pardon pour les disputes, pardon pour les querelles, pardon pour tout. Éternel, pardon. Pardon aussi pour les mésententes entre membres d'église. Pardon pour les mésententes entre membres, membres des cultes. Pardon pour les, pour les mésententes. Pardon pour les conflits entre nous, les serviteurs. Pardon pour la mésentente. Pardon, pardon pour les jugements. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Éternel du Tout-Puissant, parce que désormais, nous, tes enfants, sommes divisés pour l'incompréhension. Pardon, Père, parce que nous nous laissons manipuler par le diable au lieu de nous laisser, au lieu de nous concentrer pour chercher à sauver des âmes. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardon parce que à peine nous comprenons ta volonté. Pardon parce que, Père, nous nous, nous luttons, nous nous battons pour nos propres intérêts. Au lieu de chercher à ses en enfants comment venir vers toi, comment abandonner leur mauvaise vie, comment abandonner nos mauvaises vies. Mais Père, nous préférons plutôt nous combattre les uns les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons pardon. Nous demandons pardon parce que nous ne sommes pas bons. Nous demandons pardon parce que nous faisons mal les choses. Nous demandons pardon parce que nous nous jugeons. Nous demandons pardon parce qu'il n'y a pas de paix dans nos cœurs. Il n'y a pas de joie dans nos cœurs. Il n'y a plus de pardon dans nos cœurs. Il n'y a plus de tolérance dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous sommes méchants. Nous te demandons pardon parce que nous ne sommes pas bons. Nous te demandons pardon parce que nous sommes parfois hypocrites. Nous te demandons pardon parce que, parce que, Seigneur, nous sourions, mais nous avons la colère, la haine, la rancune dans nos cœurs. Nous te demandons pardon parce que, Père, nous ne nous aimons pas, mais nous nous utilisons les uns les autres. Nous te demandons pardon parce que nous ne disons pas la vérité selon nos cœurs. Voici la raison pour laquelle, Père, je te demande pardon. Pardon pour mes parents allant jusqu'à 50 générations avant moi. Pardon pour mes parents allant jusqu'à 500 générations avant moi. Pardonne-moi, pardonne à mes frères, pardonne à mes soeurs, pardonne à ceux et celles qui sont connectés. Seigneur, pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas demander pardon. Pardon pour tes fautes involontaires. L'une des choses que j'ai remarquées ces derniers temps, c'est que les chrétiens sont comme, ils ne comprennent pas qu'il se passe un problème dans leur vie. Bien aimés, les gens sont devenus bizarres. Il y a des choses dont je n'ai même pas envie de parler. Mais, les communautés chrétiennes ne s'aiment pas. Les pasteurs ne s'aiment pas. Surtout les pasteurs francophones sont jaloux les uns des autres. Je vous dis la vérité. Il y en a qui vont aller même jusqu'à défendre même à leurs enfants de suivre tel et tel pasteur jusqu'à menacer bien aimé la jalousie, ça c'est torpille, ça insulte, ça se critique. On parle chez tel pasteur pour critiquer tel pasteur. On parle chez tel pasteur pour critiquer tel serviteur. Pas jalousie. Pas jalousie. On parle pour critiquer telle sœur. On veut avoir de l'attirer attirer l'attention. C'est comme si quand l'autre dirige là, nous, on ne nous voit pas. Pas quoi Jalousie. On ne se concentre plus sur ce qui est essentiel. Le salut n'est plus la priorité. Le gain est devenu maintenant primordial. Bien-aimé, c'est Dieu qui permet. Moi où je suis là, là, moi je ne dis pas à quelqu'un, depuis que tu me suis là, tu es obligé de venir payer ta dîme chez moi. Tu payes si tu veux, tu ne payes pas, c'est ton problème. Le jour tu vas m'appeler pour dire que tu vois ton grand-père en rêve là, cela te dit pour toi. Mais moi, je ne t'interdis pas de... Je te dis seulement fais attention. Cesse de courir derrière les hommes. Un point, un trait. Mais les gens font comme si le peuple est devenu leur champ de cacao. Alors, il faut à tout prix les séparer des autres. Là, et on va gagner. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. J'espère au moins qu'on t'enseigne au moins comment sauver ton âme. Élevons la voix et demandons pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour nos comportements, nos hypocrisies, nos caractères. Seigneur nous demandons pardon. Pardon pour tout. Pardon pour, pour ce comportement dans la communauté chrétienne francophone qui cherche seulement qu'à gagner, à gagner des intérêts plutôt que de chercher à sauver des âmes. Cette communauté chrétienne remplie de jalousie et de compétition. Nous te demandons pardon. Pardon parce que nos cœurs sont méchants. Pardon parce que tes enfants sont terrorisés dans des églises, sont menacés, sont intimidés, mais ne sont pas enseignés. Je te demande pardon pour nos comportements. Pardon, pardon, pardon pour nos péchés. Pardon Père, parce que nous utilisons ton nom, mais nous ne sommes pas unis. Pardon Père, parce que nous nous attaquons et parfois nous faisons même des contre-prédications. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne toute l'Église, pardonne toute la communauté chrétienne qui n'a encore rien compris. Pardonne-nous pour nos péchés, nos attitudes, nos caractères. Nous te demandons pardon. Pardon pour la jalousie dans nos cœurs. Pardon pour l'esprit de compétition dans nos cœurs. Pardon pour les intimidations. Pardon pour tes enfants qui sont terrorisés, martyrisés dans des églises. Pardon, pardon. Pardon. Pardon pour tes enfants qui sont entièrement contrôlés, dirigés, manipulés, manés. Pardon, Père, pour nos comportements. Pardon. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore demander pardon. Une soeur était venue à ma conférence. Apparemment, elle me suit en cachette. Elle me suivait en cachette. Et en cachette et en cachette. Elle me suivait. Bien-aimé. Hum. J'étais en train de terminer mon programme lorsque cette sœur a souhaité prendre une photo avec moi. Mais avant de s'en aller de l'Italie, elle a tenu à me rappeler. Elle a dit :« S'il te plaît, ne mets pas la photo avec toi et sur Internet. » Je lui ai demandé :« Mais pourquoi Pourquoi ?» Elle dit :« S'il te plaît. » Ne mets pas ma photo sur Facebook. J'ai dit, mais pourquoi, ma soeur? Elle dit, si mon père spirituel voit que je te suis, lui ai dit, ma soeur, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Hein? La parole de Dieu dit que si Christ t'a franchi là, les mains libres, tu es membre d'une église, mais tu n'es pas l'esclave d'une église. Hein? Ok, là? On t'enseigne bien, tu restes. On t'enseigne pas bien, tu vas ailleurs. Tu es libre de suivre qui tu veux. Où est ton problème Mais elle avait tellement peur. Beaucoup d'entre vous êtes comme ça. C'est comme ça. Vous êtes malmenés, menacés, intimidés, grondés. Quelle honte Quelle honte Comme s'ils ont oublié que c'est quelqu'un d'autre qui t'a converti avant que tu arrives chez eux. Tu vas demander pardon à Dieu. Des esclaves dans une maison où on leur croit qu'ils ont la liberté de Christ. Que Dieu ait pitié de nous. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, pour nos comportements, pour nos caractères. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que maintenant, les démons ne sont plus volontaires. Les dîmes sont sur la base des menaces des pasteurs. Les offrandes ne sont plus des dons volontaires. Les offrandes sont sur menaces d'intimidation. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos comportements. Pardon pour tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pardon pour la dégradation, Seigneur. Aide-nous à nous ressaisir afin de ne pas détruire tes enfants, de ne pas détruire la mission que tu nous as confiée. La mission est plus importante et c'est toi qui récompenses tes enfants. Et Éternel Dieu Tout-Puissant, tu n'abandonneras jamais tes enfants, mais tes enfants l'oublient. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Pardon pour nos comportements. Seigneur, pardonne-nous pour tout le mal que nous nous faisons. Pardonne-nous pour tous les jugements. Pardonne-nous. Pour, les, pour, les, pour, pour le comportement. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Amen. Bien-aimés, j'ai tenu à parler de ça parce que ce sont des choses qui se répètent. J'ai été dans beaucoup de pays pour des conférences. Très souvent, on a besoin de, de l'église d'un pasteur à qui on va voir. Euh, oui, on vient pour faire l'œuvre de Dieu. Il te refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que le dimanche prochain, il n'a pas envie de perdre sa dîme. Vous comprenez Rares sont les pasteurs qui nous acceptent dans leurs églises. Et heureusement, Océan des Grâces n'a pas besoin de compter sur l'église de quelqu'un. Sauf ceux qui nous donnent leur église. On peut organiser nos conférences à travers le monde sans nous inquiéter. N'importe quel pays. Je voulais partir en Angleterre. Ils ont dit jamais. Ils ne nous donnent pas leur église. J'ai été en Guyane. Ils ont même dit... Le groupe musical de venir chanter pour nous. C'est quoi cette affaire-là? Pardonnez-moi. Pardonne C'est quoi cette affaire-là? Cette affaire-là où même là, on fait comme si on est des ennemis dans l'Église. On interdit les gens de venir chanter pour un pasteur qui quitte dans un pays pour venir faire l'œuvre de Dieu dans son pays. Sous peine d'être excommunié. Ce n'est pas grave. Alors, bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Amen. Oh, mince. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver et on va continuer. Élevons la voix et prions. Seigneur, Je te demande de me laver par ton sang, dans le nom de Jésus. Seigneur, lave ma famille. Seigneur, lave mes enfants. Seigneur, lave mes frères. Seigneur, lave tous les membres d'église qui sont connectés. Lave-nous. Lave-nous et purifie-nous. Lave-nous et restaure-nous. Lave-nous et nettoie-nous. Pour tout tes bienfaits. Seigneur, lave-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, lave ma famille. Seigneur, lave-moi de ton sang. Lave-moi au nom de Jésus. Lave-moi au nom de Jésus, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Lave-moi. Lave, lave mes enfants. Lave mes frères. Lave mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, nous te demandons de nous laver. Lave-nous. Seigneur, l'ennemi peut nous attaquer, mais il ne pourra pas nous empêcher de te servir. Seigneur, L'ennemi peut nous juger, mais il ne pourra pas nous empêcher de faire ton œuvre. Seigneur, l'ennemi peut faire ce qu'il veut, mais il ne pourra pas nous empêcher d'atteindre nos buts. Seigneur, l'ennemi peut nous agresser, mais il ne pourra pas nous empêcher de faire ta volonté. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, te exaltons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as vu tous les problèmes techniques que nous avions eus depuis le commencement de ce programme. Parce que la prophétie est puissante. Parce que la prophétie est redoutable. Parce que la prophétie change tes vies. Voici la raison pour laquelle, Père éternel Dieu tout-puissant, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour te demander de nous aider au nom de Jésus. Nous sommes là pour te demander de nous soutenir. Nous sommes là pour te demander de nous aider. Aide-nous, Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur, aide ma famille, Seigneur, aide mes enfants, Seigneur, aide tous ceux tout seuls, tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Seigneur, aide-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi dans tout ce que je suis en train de faire. Seigneur, aide-nous dans tout ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide mes frères, Seigneur, aide mes sœurs, Seigneur, aide-moi dans le nom puissant de Jésus. Père éternel mon Dieu, tout puissant, aide-moi. Aide-moi à faire ton œuvre. Aide-moi à tes servir. Aide-moi, aide-moi, Père, parce que tu es Dieu. Aide-moi, Seigneur, parce que tu es bon. Aide-moi, Seigneur, parce que tu es grand. Aide-moi, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Père éternel, mon Dieu, tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu le plus puissant, le plus redoutable. Seigneur, tu es Dieu nul et semblable à toi. Seigneur, lave-moi et purifie-moi. J'ai besoin, de... au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma maison, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants, j'ai besoin de toi dans la vie de tout le monde, j'ai besoin de toi dans ce programme. Père éternel, Dieu tout-puissant, j'ai besoin de toi au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Père, j'ai besoin de toi, ma famille a besoin de toi, mes enfants ont besoin de toi, ma femme, ma maison, nous avions besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père éternel, Dieu tout-puissant. J'ai besoin de toi, Dieu tout-puissant. J'ai besoin de toi, Roi des rois. J'ai besoin de toi, Éternel, Dieu tout-puissant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans toutes les œuvres que je suis en train d'accomplir. J'ai besoin de toi dans tout ce que je suis en train de faire. J'ai besoin de toi, Père éternel, Dieu tout-puissant. J'ai besoin de toi, Roi des rois. J'ai besoin de toi, Shaddai. J'ai besoin de toi, Dieu tout-puissant. J'ai besoin de toi, Elohim. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur du Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, Roi des Rois. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur du Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, Seigneur, Roi des Rois. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de toi, Père. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi en tout lieu et en tout temps. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi aujourd'hui, j'ai besoin de toi demain, j'ai besoin de toi à tout moment. Seigneur Dieu tout puissant, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta grâce. Sauve-moi par ta miséricorde, Seigneur. 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 Accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta bonté, accorde-moi ta faveur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi par ta miséricorde. Seigneur, sauve-moi par ta miséricorde. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi par ta miséricorde. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta... Accorde ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta, Accorde ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de laver ta bouche, de laver tes pensées, de laver ton cœur, ton âme, ton esprit. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Tu vas lui dire, Seigneur, j'aimerais que toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche soient puissantes et redoutables. J'aimerais que toutes les paroles qui sortent de ma bouche soient fortes, soient fortes, soient fortes. Alors Seigneur, s'il y a, s'il existe des choses qui ont, qui ont souillé ma bouche, qui ont souillé mes pensées, qui ont souillé mon âme, Père, je te demande pardon pour ces choses. Seigneur, si j'ai dit des choses que je ne devrais pas dire, si j'ai pensé des choses que je ne devrais même pas oser penser, si j'ai insulté, si j'ai menti, si j'ai jugé, si j'ai souillé ma bouche, pas des actes, pas des paroles, pas des déclarations. Seigneur, lave ma bouche dans le nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, s'il y a quelque chose qui peut rendre ma bouche ou qui a rendu ma bouche impure, Seigneur, lave-moi au nom puissant de Jésus. Père Éternel Dieu tout-puissant, s'il y a quelque chose qui a rendu ma bouche impure, Seigneur lave-moi dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, si j'ai pris part à des conversations, si j'ai pris part à des commérages, si j'ai pris part à des railleries, si j'ai pris part à des critiques, si j'ai pris part à des choses, si j'ai pris part à des, à des conversations, à des, à des conversations impudiques, pardonne-moi dans le passé. Éternel, si j'ai dénigré quelqu'un, si j'ai dit des paroles qu'il ne fallait pas, des paroles de blasphème, Seigneur, nous te demandons de nous laver. Seigneur, si nous avions pris part à la médisance, si nous avions pris part aux critiques, si nous avons pris part au commérage, Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit que tu ne, tu ne répondras pas de faux témoignages. Les faux témoignages détruisent la prière. Les faux témoignages souillent la bouche. Les faux témoignages ne sont pas bien. Frères et sœurs, les faux témoignages ne sont pas du tout bien. Les faux témoignages souillent la bouche. Donc, bien aimé, un faux témoignage, c'est quelque chose que tu ramasses. Sans vérifier si c'est vrai ou faux, et tu prends pour partie. Raconter partout. Et si au moins tu racontais cette histoire dans les moindres détails, sans en rajouter ou sans en déformer la nature, on pourrait dire que tu as rendu un témoignage, parce que le témoin, c'est celui qui raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Mais combien de fois nous avions été des faux témoins? Tu vas dire à Dieu, pour toutes les fois que j'ai été un faux témoin, rajoutant des informations non nécessaires pour confirmer, pour appuyer, pour soutenir mes dires. Pour toutes les fois même que certains ont fait des faux serments. Faux serments comme quoi pour prouver que oui, ce que j'ai dit là, c'est trop vrai que tu dois m'y croire. Alors, bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as rendu de faux témoignages. Élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi pour, pour, pardonne pour toutes les fois que j'ai menti pour me protéger. Pardonne-moi pour toutes les fois que euh, j'ai menti pour faire ci. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai menti. J'ai menti. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai menti. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai menti. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai menti au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, 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 Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi, 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 pour mes péchés, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai souillé ma bouche au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus, pardonne-moi pardonne 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 au nom de Jésus, pardonne-moi, 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 Seigneur, lave-moi au nom de Jésus, lave-moi au nom de Jésus, lave-moi au nom de Jésus, lave-moi. Lave-moi, 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 au nom de Jésus. Lave-moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave ma bouche, lave mes oreilles, lave mon cœur, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit, lave mes pensées au nom de Jésus. Lave au nom de Jésus, Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, Seigneur. Lave mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit et mes pensées. Seigneur, lave-moi au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à régler les problèmes techniques. Seigneur, aide-nous à régler tous les problèmes que nous avons à l'instant même. Seigneur, aide-nous à régler toutes les difficultés que nous avons à l'instant même. Seigneur, aide-nous à régler tous les blocages que nous avons à l'instant même. Seigneur, lave-nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-nous, lave-nous, lave-nous et purifie-nous, sanctifie-nous, restaure-nous et délivre-nous. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave ma famille. Seigneur, lave les membres d'océan des grâces. Seigneur, lave-nous à l'instant même. Seigneur, lave et purifie-nous. Seigneur, lave-nous dans le nom de Jésus. Seigneur, lave-nous. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lave ma famille. Seigneur, lave mes enfants. Seigneur, lâche. Lave... Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimés, alors que tu as demandé à Dieu de te laver, tu auras aussi besoin d'être protégé. Alléluia. Tu auras vraiment besoin d'être protégé. Pourquoi? Parce que nous allons en mode, en mode de prière prophétique, en mode de révocation des malédictions. Nous allons en mode, en mode de prière et proclamation. Et vous savez, ce programme a été combattu. Oh mon Dieu, j'organise des jeûnes et prières. J'organise des jeûnes et prières. Mais cette fois-ci. Cette fois-ci, là, c'est terrible. Cette fois-ci, c'est tellement terrible. Tellement, tellement terrible. Tellement terrible. j'ai n'ai jamais été autant attaqué. Rien que pour un programme. Non seulement pour démarrer le programme, ça a été une bataille. Ça a été une lutte. Pour travailler les sites Internet, ça a été une bataille. Ça a été une lutte. Même actuellement, même notre site Internet, les techniciens sont à pied d'œuvre. Heureusement, nos sites Internet sont sécurisés ultra sécurisés sécurisé. Vous voyez? Donc, euh, vraiment, tout ce que je vous dis là, bien-aimé, je ne peux pas me permettre de répéter toujours que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous-même, vous voyez que quelqu'un se sent gêné que tu commences à prophétiser sur ta vie. Quand je parle du livre de prières prophétique, les gens croient que je m'amuse. voyez la preuve qui est là maintenant. Parce qu'ils ont dit des choses sur vos vies qu'ils ne veulent pas que vous révoquiez. Parce qu'ils ont dit des choses sur vos vies qu'ils savent que vous allez briser. Parce qu'ils ont dit des choses sur vos vies, qu'ils savent que la prière prophétique va briser. Alors là, ils ne, se, ils ne veulent pas. Bien aimé, si vous saviez combien j'avais été attaqué, il y a des détails que je ne peux même pas vous donner. Mais Dieu est grand, d'où la victoire. Toujours combattu, jamais vaincu. Tu vas prendre le bouclier de la protection divine. Tu vas remarquer que dans ta maison, partout autour de toi, tu vas remarquer qu'il y aura de la tension, des disputes, des querelles, des influences, des mésententes. Tu vas voir que, ah bien aimé, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose. Tu vas sentir que quelqu'un ne veut pas que tu pries dans la paix et dans la joie. Alors Françoise, tu vas t'asseoir tranquillement et dis, je sais que j'entre dans ma destinée. Alléluia. Proclame-le dans le nom de Jésus. Dis, je sais que j'entre dans ma destinée. Je prophétise que j'entre en possession de mes de Et j'entre dans mes destinées. J'entre dans mes destinées. Je prophétise que j'entre en possession de quelque chose maintenant. J'entre dans mes destinées. J'entre, j'entre. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je prophétise que j'entre dans mes destinées. 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 Hallelujah. Je prophétise que j'entre dans mes destinées. Je prophétise que j'entre dans mes destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Amen. Je vais prophétiser sur ta vie. Alléluia. Je vais prophétiser pour renverser ce que la sorcellerie familiale a décidé pour toi. S'il te plaît, comme nous sommes beaucoup attaqués, comme notre programme est beaucoup attaqué, et signaler même, est-ce que tu peux me faire plaisir? Partage à 20 personnes ou bien partage à 30 personnes si tu veux. Aide-nous. À l'instant même où tu es en train de participer à l'évangélisation, certaines personnes vont rester indifférentes, d'autres vont juste faire semblant de ne pas entendre ce que j'ai dit. Mais sur ta vie, par le pouvoir qui m'a été conféré par l'Éternel, le jour qu'il m'a appelé comme son serviteur, le jour qu'il m'a oué comme son serviteur, parce que le Seigneur m'a oué de l'onction d'Ézéchiel, parce qu'il dit que tout ce que je déclare est accompagné d'une onction spéciale. Alors, par l'onction que le Seigneur, l'Éternel des armées, m'a accordé en tant que prophète et évangéliste, je prophétise que je renverse aujourd'hui tout ce que la sorcellerie familiale a décidé pour toi. Je renverse la décision pour toi. Tout ce que les gens de ta famille ont prévu pour toi soit renversé au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qu'ils ont décidé pour toi soit brisé et renversé au nom de Jésus. Je prophétise la destruction de tout ce qui a été décidé pour toi par tes amis dans le secret. Je prophétise la destruction de tout ce que tes ennemis ont imposées à ta vie. Je prophétise la destruction et la révocation des malédictions qui t'ont été imposées par la sorcellerie familiale. Je prophétise la révocation et la destruction des paroles cachées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise la destruction des malédictions cachées. Je prophétise la destruction des déclarations mauvaises qui ont été faites contre toi en cachette. Je prophétise la destruction des mauvais souhaits qui ont été émis contre toi. Je prophétise la destruction des mauvaises déclarations qui ont été émises contre toi. Je prophétise la destruction des mauvais jugements qui ont été prononcés contre toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur. Lorsque tu pries, le serviteur de Dieu te dit partage. C'est ta façon aussi de contribuer, contribuer à ce qu'on est en train de faire. Si quelque part, tu as peur de partager, sous prétexte que quelqu'un va se fâcher, c'est que tu as un gros problème. Parce que la peur en toi-même déjà montre que tu es livré. Tu ne peux pas être un chrétien qui a peur. Peur de qui Des êtres humains. Si quelqu'un te dit ne me partage plus les propriétés de logique, tu le bloques. Et tu te bats. C'est un sorcier. Bien amis, et le insulté maman de quelqu'un. Et le jequis ne fait que dire la vérité, que vous enseignez des choses, vous donnez des bons conseils par rapport à vos amis qui vous sucent le temps et qui vous traînent dans n'importe quoi. Donc, il n'y a quelqu'un qui est ennemi de la justice qui peut détester une vérité. Dis ça à quelqu'un. Il n'y a que quelqu'un qui est ennemi de la justice qui puisse détester une vérité. Une vérité. Il faut écrire ça quelque part et puis tu colles. Maman coupelle, tu colles ça sur ton miroir. Il n'y a que quelqu'un qui est ennemi de la justice qui peut détester une vérité. Oh non, ça c'est une prophétie. C'est un rhéma. Un rima. Après qu'après faut écrire et puis tu m'envoies ça. Il faut écrire ça en bon français, hein, ce n'est pas un mina. Il n'y a que un ennemi de ton bonheur. Un ennemi de ta justice qui puisse détester des vérités. C'est clair. Il n'y a que quelqu'un qui est ennemi de la justice qui puisse détester une vérité. Alors, bien-aimé, je renverse tout ce qui a été dit sur toi. Toutes les choses négatives qui ont été dites à ton égard, je les brise en tant que serviteur de Dieu et prophète de l'éternel. Je révoque les proclamations sataniques existant dans ta vie, les décrets, les paroles, les condamnations que tu as subies en cachette. Je les brise et je les révoque. Les condamnations à rester pauvre, je les brise et je les révoque. Les malédictions à souffrir, je les brise et les, et les révoque au nom puissant de Jésus. Je brise et je révoque tout ce qui a été déclaré sur ma vie. Je et je révoque la pauvreté. Je brise et je révoque ta pauvreté. Je brise et je révoque ta pauvreté intellectuelle au nom de Jésus. Je brise la pauvreté intellectuelle dans ma vie. Répète avec moi. Je brise la pauvreté professionnelle dans ma vie. Je brise la pauvreté professionnelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va on va, on va s'arrêter un peu. Ça devient trop chaud, là. On va briser la pauvreté et continuer. On va briser la pauvreté professionnelle. Bien, mais vous savez, il y a des années de cela, j'ai enseigné en disant que quand les gens sont en train de te mourir pour dire que tu vas rester pauvre, là, il y a plusieurs types de pauvreté qui mènent à la pauvreté qui donne la misère. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté professionnel. Vous allez remarquer que les gens qui souffrent de la pauvreté professionnelle n'obtiennent jamais un bon travail. Un travail où on te paye des miettes. C'est ce que les Ivoiriens appellent brin-brin, là. C'est ça. Parfois, même, tu, tu as un travail de trois jours par semaine. Tu as gagné quoi ça? La vérité. Parfois, on t'appelle par travail sur... Tu vois... Il y a des gens qui ont du boulot jusqu'à même, parfois ils ont au boulot là même, on les appelle encore pour venir négocier avec eux, pour dire viens chez nous, on te payé plus. Pour toi là, c'est travail sur appel. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de travail sur appel au nom de Jésus. Je brise cela. C'est ce qu'on appelle la pauvreté professionnelle. Ça dit que dans ta vie professionnelle même, c'est un calvaire. On va briser ça. Beaucoup de gens vivent ça et ne savent pas que c'est une malédiction. Prions dans le nom de Jésus. Je brise toute malédiction des pauvretés professionnelles au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction, de, mal, malédiction euh, sur ma vie professionnelle soit brisée au nom de Jésus. Je brise maintenant la malédiction des déserts dans ma, vie de, dans ma vie professionnelle. Je brise maintenant toute malédiction des déserts dans ma vie professionnelle. Je brise maintenant toute malédiction de pauvreté professionnelle au nom de Jésus. Je brise la pauvreté professionnelle. Je brise, je brise, je brise, je brise toute malédiction qui veut que ma vie professionnelle soit vide, soit comme un désert. Je brise toute malédiction, je prophétise le brisement de toute malédiction professionnelle sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je brise au nom 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 de Jésus. Je brise toute malédiction de pauvreté professionnelle. Je brise toute malédiction pour les pauvretés professionnelles. Je brise au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toute malédiction de pauvreté sur ma vie soit brisée. Je prophétise que toute malédiction de pauvreté sur ma vie professionnelle soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction sur ma vie professionnelle soit brisée. Toute malédiction sur la vie professionnelle soit brisée au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toute malédiction placée sur ma vie professionnelle soit brisée dans le nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction qui a été placée sur moi par des démons, par des démons, par des esprits, par des esprits, par des génies, par des génies, par, deszhou, par des sorciers, par des hommes, soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction placée sur ma vie professionnelle soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction placée sur ma vie professionnelle soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction placée sur ma profession soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction placée sur ma vie professionnelle soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée, soit brisée, soit brisée. Je prophétise que la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction de l'ogé qui est brisée. La malédiction de l'ogé qui s'y est brisée. Annonce spéciale. Annonce spéciale. Annonce spéciale. Écoutez-moi, Terre. Écoutez-moi, soleil, écoutez-moi, terre, écoutez-moi, soleil, écoutez-moi, terre, écoutez-moi, Canada, écoutez-moi, Côte d'Ivoire, écoutez-moi, univers, écoutez-moi, écoutez-moi, soleil. La... La malédiction est brisée, la malédiction est brisée, ne la prenez plus en compte, ne la prenez plus en compte, ne la prenez plus en compte. La malédiction est brisée. Écoute-moi Canada, écoute-moi Canada. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Je prophétise que la malédiction est brisée. Je prophétise que la malédiction est brisée. Écoutez-moi esprit, écoutez-moi esprit, écoutez-moi esprit. La malédiction familiale est brisée. Vous ne pourrez plus l'utiliser contre moi. Vous ne pourrez plus l'exécuter. Vous ne pourrez plus l'exécuter. Écoutez-moi terre, écoutez-moi univers, écoutez-moi feu, écoutez-moi eau, écoutez-moi forêt, écoutez-moi esprit, écoutez-moi. Écoutez Écoutez-moi, jour à venir. Écoutez-moi, semaine à venir. Écoutez-moi, terre canadienne. Écoutez-moi, porte. Écoutez-moi, cette malédiction est brisée. Je la proclame brisée, je la proclame brisée, je la proclame brisée. La malédiction est brisée. La pauvreté professionnelle est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Est brisée. Brisez, écoutez-moi. La malédiction, brisez, 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 brisez. Terre, terre. Cette malédiction n'existe plus. Cette malédiction n'existe plus dans ma vie. Elle n'existe plus dans ma vie. Elle n'existe plus dans ma vie. Cette malédiction, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Écoutez-moi, famille qui ici. Écoutez-moi, ma famille. Écoutez-moi, homme. Écoutez-moi, femme. Écoutez-moi, homme. Toute malédiction qui vous interdisait de me prêter mes fortes à briser, 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 je parle aux âmes, je parle aux esprits à travers le monde, je parle aux âmes, je parle aux esprits à travers le monde, je parle aux âmes, je parle aux esprits, je parle aux pensées, je parle au cœur. Toute malédiction qui vous interdisait de m'aider est brisée, elle est brisée, elle est brisée, je prophétise qu'elle est brisée. Toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction interdisait, qui vous interdisait, qui vous interdisait, est brisé, est brisé, est brisé, le décret est révoqué, 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 le décret est révoqué. Alors, je profite que je suis libre, 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 au nom de Jésus. Vous venez de découvrir un grand secret. Je vais vous expliquer. On va reprendre la prière. C'est pour cela, je vous demande. Lorsque vous êtes en train de prier, de ne pas écrire. Parce que si vous êtes quand même et vous priez en même temps, vous n'aurez pas la capacité de répéter et de suivre la prière dans son intensité. On est en prière. La parole de Dieu dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut que la prière soit fervente. Oh vous trouvez que les prières des logiques ici sont rapides? Non, elles ne sont pas rapides. C'est la stratégie qu'il faut. La Bible dit que la prière doit être fervente. Elle ne doit pas être froide et monotone. Elle doit être une prière inspirée. La prière fervente est une prière qui est faite à haute voix, avec émotion et passion. Et quand le Saint-Esprit guide là, cette stratégie-là, elle est irréversible. Vous savez, il y a des chrétiens, tu peux facilement écouter leur prière et puis révoquer. Mais il y en a, tu ne peux pas. La stratégie est trop complexe pour être suivie. S'il vous plaît. Vous avez vu ce que j'ai dit, non? J'ai dit. Je parle au cœur des hommes et des femmes. C'est une stratégie que je vous dévoile aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que vous avez des problèmes? Ceux qui veulent vous aider là, c'est comme s'ils si n'arrivent pas à se décider. Certains ont décidé de vous aider, mais n'arrivent pas à se décider. Parfois, même, il y en a qui vous oublient. En fait, parfois vous êtes le premier, puis on vous met en dernière position. Quelqu'un l'a déclaré. Quelqu'un l'a proclamé. Frère, le Seigneur m'a dit un jour de changer ma façon de prier. C'est pour ça que j'ai pris. Vous trouvez que c'est rapide parce que vous n'êtes pas habitué. Je me souviens, une parenthèse, j'étais au village. Non, en Côte d'Ivoire, pardon. J'étais en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur, notre Dieu, la façon dont il a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il m'a transporté au village, dans une maison qui n'existe plus. Mais la maison existait dans le monde spirituel. Et dans cette maison, il y avait une femme qui me détestait. Elle, me détestait. elle était comme la chef, elle était comme le leader d'un groupe de personnes qui chantaient des incantations contre moi. Et puis ce n'était que des femmes. Frère, quand je vous parle de ça, là, je parle d'une affaire qui s'est passée en 2005. 2005, imagine maintenant, 2005 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 17 ans bientôt, si je ne me trompe pas. Alors, ils étaient en train de me maudire dans les ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il y avait, je ne sais pas, près de 50 ou combien de femmes là, elles étaient nombreuses, même des petites filles qui étaient en train de me maudire. Frère, le Seigneur, l'éternel des armées, sait que ce que je vous raconte est vrai, je ne peux pas vous mentir, il y a gagné quoi? Ça fait des années, on vous prêche, il y en a qui réagissent jamais. C'est un mensonge qui a apporté quoi Non, bien-aimé, le Seigneur a ouvert mes yeux. Je voyais toutes ces sorcières, mais elles, elles ne me voyaient pas parce que j'ai été transporté en esprit comme il a fait pour Ézéchiel. Le ciel entend ce que je dis. Je ne peux pas vous mentir. Alors ils ont écrit mon nom. Non, elles ont écrit mon nom sur des papiers. Et pendant qu'elles ont écrit mon nom sur des papiers, elles piétinaient le papier et elles étaient en transe et chacune d'elles disait éloge me me bien aimé je vous assure j'ai froid au dos quand je parle de ça et la maison là dans laquelle elles étaient j'ai déjà rendu ces témoignages, non vous avez entendu est-ce que ce que j'ai dit là ça a changé la maison là dans laquelle elles étaient en train de me dire éloge me 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 là bien aimé celle là qui dirigeait la prière là c'était une belle soeur à moi, une belle sœur. C'était elle qui était chef de la sorcellerie. Bien aimé. Aujourd'hui, j'ai précisé. Meurs, éloge, meurs, Bien aimé. La maison là, jusqu'à les fondations. La colère qu'elles avaient, la haine qu'elles m'en voulaient. Bien aimé. n'est pas pour rien. Il y a des gens qui vont au lit. Hein. On dit il allait dormir puis il meurt. Il est mort dans son sommeil. La maison tremblait, la terre tremblait, le toit tremblait, les murs tremblaient. Wow! Hum. Pardonnez-moi du terme, wow là, c'est sorti comme ça. Bien aimé, quand je me suis réveillé, hum, je tremblais. Et le Saint-Esprit m'a dit Tu as vu comment eux là, non, ils prient contre toi, non? Ils font des incantations contre toi, non? Dieu m'a permis de comprendre, c'est comme ça, eux ils prient. Et vous, quand il s'agit de prier, vous murmurez comme des vers de terre. Vous murmurez, chrétien. Depuis que vous êtes en train de faire vos prières froides, des, je ne sais quoi là, on dirait c'est tapioca, on a oublié dans le frigo là. Ça donne quoi Vous dites non, les prières de l'eau, j'ai sont trop fortes, elles sont trop violentes, ils crient trop. Tu penses que moi, à ma gorge, je ne sais pas, ma plaque c'est ça C'est parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu as entendu comment j'ai fait la prière de tout à l'heure, non Tu n'as jamais entendu une telle prière. Mais Dieu te l'a inspiré. Frère, quand je me suis réveillé, j'ai dit Retour à l'envoyeur. Toute chose qui a été faite contre moi, retour à l'envoyeur. Frère, j'ai retourné à l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui m'a lancé une maladie mortelle. Lui-même, il a ramassé sa maladie. Je vous dis la vérité. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, bien-aimé, quand il s'agit de prier là, il faut mettre ta force, timidité là à, à, ailleurs. Quand c'est pour dire les bêtises au téléphone, ils sont motivés. Mais quand c'est pour dénigrer les gens là, là ils parlent jusqu'à ils baillent. Quand il s'agit de prier, ils jouent les saints, ils jouent les, les saints anges. Bon, viens, on va prier. Donc, je t'expliquais le secret avant de continuer. Excuse-moi si tu es choqué. Euh, 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 voilà le secret. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit, tu as remarqué qu'il y a des gens, tu as dit, mais qui ne se décident pas. Il y a des gens. Euh, que Dieu a même mandaté, mais ils ne réagissent pas. Tu sais comment les sorciers font Ils parlent au cœur des gens. Ils parlent aux esprits. Ils parlent à la terre. Ils parlent au pays. Ils invoquent le pays où tu es. Ils parlent. Et ils vont faire quoi Ce qu'on appelle un décret. Un décret portant sur l'interdiction d'aider telle personne. Un décret portant sur l'interdiction de faire quoi L'interdiction des réussir. Et si le soleil a entendu cette parole, tu es foutu. Dieu dit que le, le soleil risque de te frapper. Tu n'as pas entendu Le soleil ne te frappera pas pendant la journée. Tu n'as pas entendu La lune ne te frappera pas pendant la journée. Ils vont parler au soleil. Soleil, toi, personne ne peut t'empêcher de te lever. Personne ne peut empêcher ma parole de s'accomplir. Ils vont maudire ta vie. Donc, quand ils font ça, ta vie est bloquée. Parce que l'élément auquel tu es confronté, tu es en contact avec ça, ils t'ont maudit à l'eau, ils t'ont maudit à le fuit, ils t'ont maudit, maudit truc. Tu vas voir, tu tournes en rond, on dirait que tu es maudit. Tu te dis, mais ah, depuis que je suis arrivé dans ce pays-là, toutes les portes me sont fermées. Amen. Pourquoi Ils ont parlé aux portes. La Bible t'a déjà enseigné. Tu veux que les portes s'ouvrent Portes, élevez vos lenteaux. Je prophétise que mes portes élèvent la lenteaux. Oui, que les écluses des cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Je prophétise. Portes, élevez vos lenteaux. Les cœurs, élevez vos lenteaux. Portes, élevez vos lenteaux. Les banques, les cœurs, les esprits, ouvrez-vous. Portes, élevez vos lenteaux. déjà dit non Ainsi parle l'éternel. Portes, élevez vos lenteaux. Parle aux portes. Parle aux portes. Parle à l'esprit, parle. La prière prophétique, là, c'est bon. Donc voilà, voici le secret. Je vais aller doucement pour que tu puisses saisir parce que c'est trop fort pour toi. Regarde. Vous avez entendu, j'ai dit, terre, la malédiction est révoquée. Soleil, cette malédiction qui pesait sur moi est révoquée. Tu, répète avec moi rivière et fleuve de ce pays. La malédiction est révoquée. Vous ne pouvez plus l'exécuter contre moi. Je parle au ciel. Je parle à la terre. Je parle à ma terre natale. Alléluia. Je parle à la terre qui a reçu mon placenta. Je parle à la terre qui m'a vu naître. Je parle à ma terre d'adoption. Je parle à mon pays d'adoption. Je parle au Canada. Je parle aux Canadiens. À votre réveil, écoutez cette parole. Ô homme, ô frère, ô sœur, ô esprit, à travers le monde. Le décret est révoqué, la malédiction est révoquée. Toutes les paroles qui portaient sur l'interdiction de m'aider sont révoquées. Toutes les malédictions qui portaient sur l'interdiction de prospérer, sont révoqués. Ô ciel, entends ma parole. Ô terre, entends ma parole. Ô rivière, entendez ma parole. Ô fleuve, entendez ma parole. Ô univers, entends ma parole. Les malédictions de ma famille qui me limitaient dans le mariage sont révoquées. Tous les décrets, toutes les paroles, toutes les insultes que j'ai subies sont révoquées. Je proclame ma liberté. La malédiction est brisée. La malédiction qui m'interdisait de réussir est brisée. La malédiction qui m'interdisait de prospérer est brisée. La malédiction dans le domaine professionnel est brisée au nom de Jésus. La malédiction de la pauvreté professionnelle est brisée. La malédiction est brisée. Le décret est brisé. La malédiction de la mort prématurée est brisée au nom de Jésus. Je parle aux semaines à venir. Je parle aux jours à venir. Je parle aux heures à venir. Je parle aux instants à venir. Je parle au cœur. Je parle aux esprits. Je parle aux hommes. Je parle aux femmes. Je parle aux frères. Je parle aux soeurs. Je parle aux églises. Je parle, je parle, je parle aux églises. Toute malédiction qui vous interdisait de collaborer avec moi est brisée. La malédiction qui vous interdisait d'aider ses sœurs, d'aider ses frères, sont brisées Je parle au cœur des hommes. Je parle au cœur des hommes. Le décret portant sur l'interdiction de marier cette sœur est brisé. Le décret portant sur l'interdiction de marier cette sœur est brisé. Le décret portant sur l'interdiction de te marier est brisé dans les quatre coins du monde, le décret est brisé, le décret est brisé, le décret est brisé. Tout décret portant sur l'interdiction sur ma vie est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Je prophétise que le décret est brisé. Je prophétise, oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le décret est brisé, le décret est révoqué, le décret sur si est brisé, le décret sur ma vie est brisé, le décret signé de la main de Lucifer, le décret signé est brisé, le décret signé par la sorcellerie familiale est brisé, le décret signé par mon village est brisé. Le décret signé par mon village est brisé. Le décret signé par ma famille est brisé. Le décret signé par mes frères est brisé. Le décret signé par mes ennemis est brisé. Le décret signé pour mon exécution est brisé. Le décret de la mort est brisé. Le décret signé dans les ténèbres est brisé. Je brise le décret. Le décret signé pour Lucifer contre l'église, par Lucifer contre l'église est brisé. Je prophétise que le décret est brisé, 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 le décret, le décret, le décret, le décret qui vient du royaume des ténèbres est brisé. Tout décret sur ma vie est brisé, tout décret sur mes finances est brisé. Tout décret portant sur la limitation de mes bénéfices financière est brisé le décret de la limitation financière est brisé le décret de la limitation professionnel est brisé je prophétise que le décret soit brisé que le décret soit brisé soit brisé et révoqué soit brisé et révoqué je prophétise que le décret soit révoqué je prophétise que le décret est brisé je prophétise que le décret portant sur l'interdiction de me marier de me marier est brisé 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 au nom de Jésus Alléluia. Est-ce que tu as reçu avec un effet immédiat Ouf, bien-aimé, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. C'est comme ça qu'on prie. Frère, l'ennemi va cibler tes, les prières contre les gens. Tu n'as pas remarqué Les cœurs sont endurcis. Parfois, tu te casses la tête. Les gens n'ont même pas pitié de toi. Oh! Bien-aimé, parfois, tu es choqué même. Tu es choqué que quelqu'un qui te suit depuis des années, pasteur Éloge, au nom de Jésus, donne moi un livre cadeau. Hier, yeah. mon Dieu, terrible, hein? tu as déjà des prières cadeaux ça te suffit pas. Amen. Tu as déjà mon temps cadeau ça te suffit pas. Tu veux maintenant billet d'avion cadeau, tu veux livre cadeau, tu veux Isop cadeau, attends quand on fait promotion faut profiter. Compliquer la vie, hein? mon Dieu, et puis en plus il te donne un ordre, hein? il dit je te l'ordonne. <laughs> Je te l'ordonne. Yeah, la vie est compliquée. Donc, bien aimé, tu vas briser la malédiction. <laughs> tu vas briser la malédiction des pauvretés professionnelles. Parle au cœur. Ce n'est pas leur faute. Le, le diable est mauvais. Ça dit, tu donnes tout quand tu donnes ta vie. Amen. Amen. Donc, c'est là qui est là. Donc, bien-aimé, tu vas, tu, vas, tu vas, briser toutes les malédictions. Mais tu vas encore, tu vas encore, tu vas encore prendre une bénédiction. La première personne qui veut prendre un cas, lever la main, et partager rapidement. Éternel Dieu tout puissant, pendant qu'il sont en train de faire cette œuvre. Beaucoup de mes frères et sœurs contribuent massivement. Évangélise avec moi. Je brise tous les décrets sur leur vie. Je brise toutes les malédictions des limitations sur leur vie. Je brise tout décret portant sur l'interdiction de réussir sur leur vie. Je brise tout décret portant sur l'interdiction de marier cette sœur qui est en train de partager. Tout décret familial, le décret familial, le décret familial portant sur l'interdiction de te marier, de te toucher, de te prendre. Je brise tout décret, je brise tout décret portant sur l'interdiction de réussir sur ta vie. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prophétiser le brisement de la limitation conjugale. Frère, il y a des gens, toutes leurs relations durent les mêmes années, parce qu'on te l'a imposé dans les ténèbres. Vous allez remarquer que les relations durent les mêmes années, ou bien les relations durent le même nombre d'enfants. Tu fais un, deux ici, tu pars ailleurs. Tu fais un, deux ici, tu pars ailleurs. C'est une malédiction qui t'a été imposée par le sang. Comme l'apôtre le, le Okanjo l'a enseigné, ils disent que, il dit, ils vont quelque part là dans ta famille ou dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a échoué dans le mariage après avoir eu deux enfants. Ils prennent le sang de la personne dans le spirit et ils viennent, ils t'injectent ça. Je te garantis, si ta maman a eu la malchance du divorce après avoir eu deux enfants, tu vas remarquer que toi aussi, tu as eu la malchance du divorce après avoir eu exactement deux enfants. Comme ta mère. Comme ta mère. Ils vont aller placer ça où Dans ton sang. Tu vas briser tout décret qui t'a été imposé. Tu vas briser toute malédiction dans ton sang. Je brise maintenant tout décret satanique dans ton sang. Je brise toute malédiction de sang envoûté en toi. L'envoûtement dans ton sang. Je brise l'envoûtement dans le sang. L'envoûtement dans le sang. L'envoûtement dans le sang. L'envoûtement dans le sang. Je brise tout envoûtement dans mon sang, l'envoûtement, le code d'envoûtement, le code d'envoûtement dans mon sang. Je brise l'envoûtement dans mon sang. Je brise l'envoûtement dans ton sang, l'envoûtement dans ton sang, l'envoûtement dans ton sang, l'envoûtement dans ton sang. Cette malédiction-là qui dit que tel que ta maman a échoué à tel âge, a échoué avec tel nombre d'enfants, toi aussi, tu échoueras toujours. Tu échoueras toujours. Je brise cette malédiction. J'ai la brise, 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé, je vous dis la vérité, ce C'est que l'homme de Dieu l'a dit là. Est-ce que vous avez déjà écouté? Ma prière, le combat de la destinée. Si vous allez sur Internet là, j'ai parlé un jour. J'ai dit que la malédiction, là, non, oui, c'est pas dans le combat de la destinée, c'est la délivrance du nom. La malédiction est attachée au nom et au sang. Bien aimé, moi je l'ai dit, c'est pas inspiration. Mais l'apôtre Kandjo a confirmé ça, non. Lui, il était dans les ténèbres pendant 22 ans. Il était le plus grand marabout de l'Afrique pendant 22, 22 ans. Donc, il a témoigné, il dit c'est pour ça que les gens n'avancent pas, non Qu'ils prennent la malédiction, ils placent dans ta vie. Bien-aimé, c'est la vérité. Si ta maman a divorcé après avoir eu deux enfants, tu remarques que toi aussi tu divorces après avoir eu deux enfants. Bien-aimé, moi à l'époque, je n'étais pas marié. J'ai eu deux enfants avec quelqu'un. La personne a fait des bêtises, ça s'est gâté. Bien-aimé, plusieurs années après encore, j'ai eu deux enfants avec quelqu'un d'autre. La chose s'est répétée. Bien-aimé, toujours deux enfants. Ils vont prendre le sang de ta mère. Le jour où le problème est arrivé, on vient placer ça sur toi. Au même âge, au même moment, à la même période, puisque c'est le sang qui coule en toi, tu vis la même chose. On prend le sang de la personne dans ta famille qui ne s'est jamais marié, on vient, on t'ingère dans le monde spirituel et on te maudit. Donc si quelqu'un dans ta famille ne s'est pas marié, tout le monde ne se marie pas parce que c'est le sang qui a envoûté. On va prier contre ça. Ne vous, ne vous, ne vous, ne vous, ne vous inquiétez pas. L'homme de Dieu a donné l'enseignement et le Seigneur m'a donné la prière. Il y a près de, je crois que près de 50 points de prière dangereux. que vous allez trouver dans ce programme avec moi. Parce que, bien-aimé, moi, le don que Dieu m'a donné, c'est la capacité créative. Maintenant, tu vas briser autre chose avant qu'on parle de ça. C'est la vérité, bien. Mais tu n'as pas remarqué tous les malheurs qui t'arrivent là ce C'est pas les mêmes choses qui arrivent à tes frères et sœurs, même âge, même date. C'est le sang qui est maudit. C'est la vérité que je vous dis. Ils maudissent le sang. Et tu vas voir que même si tu fais des enfants aussi, tes enfants aussi vont faire quoi La même chose, parce que c'est le sang qui les a engendrés. Le sang qui les a engendrés est maudit. C'est la vérité. Même maladie, ça se reproduit à travers le sang. Même souffrance, même galère. Si ta grand-mère était trop empathique, toi aussi tu vas avoir la même chose. Parce que c'est son sang qu'ils ont mis en toi. Faites attention. Brisez ce qu'on appelle le transfert de pouvoir. Le transfert de pouvoir satanique. C'est comme la soeur qui est allée dans son pays pour une visite et lui on dit Ah, tu as bien fait de venir. Est-ce que tu sais que ton papa. Euh, ton grand-père avait des pouvoirs que euh, depuis là on t'attend pour faire ce qu'on appelle le transfert de pouvoir. C'est la vérité, pouvoir satanique. Je brise tout transfert de pouvoir satanique. Le transfert de pouvoir de mes ancêtres dans ma vie, je brise tout transfert de pouvoir satanique. Je brise au nom de Jésus. Je brise le transfert de pouvoir satanique, le transfert de pouvoir, le transfert de pouvoir, le transfert de pouvoir, tout pouvoir satanique qui a été transféré. Je refuse de succéder à mes ancêtres. Je refuse de succéder à quelqu'un dans ma famille. Je brise le pouvoir. Je brise le transfert. Du pouvoir. Je brise le transfert de pouvoir satanique, le transfert de sacerdoce satanique. Je brise au nom de Jésus. Je brise tout sacerdoce satanique qui m'a été transféré, toute responsabilité satanique qui m'a été transférée. Je les brise au nom de Jésus. Je brise toute responsabilité satanique. Responsabilité. Satanique. Responsabilité. Satanique. Je refuse. Je refuse d'occuper le poste de quelqu'un dans ma famille. D'occuper le poste de sorcellerie. Je refuse d'avoir un poste dans la sorcellerie. Je refuse d'avoir une position dans la sorcellerie. Je brise le transfert de pouvoir. Je brise. Au nom de Jésus, je prophétise que le transfert de pouvoir soit brisé, le transfert des responsabilités sataniques soit brisé. Au nom de Jésus, je prophétise la destruction du transfert de pouvoir. Je prophétise la destruction du sacerdoce maléfique. Je brise le sacerdoce. Je brise l'initiation. Je brise l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Je brise l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Je brise l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Je brise l'initiation. À la sorcellerie inconsciente. Je brise l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Je brise le transfert de sacerdoce maléfiques. Je brise, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on va encore continuer. Amen. Donc, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Amen. Prophétise. Je demande aux gens qui sont dans ce programme-là de faire preuve d'un peu de respect. Amen. Donc, bien-aimé, tu vas encore briser la malédiction mentale. Vous savez... Beaucoup de gens souffrent de ce qu'on appelle la malédiction. Malédiction placée sur leur tête. Bien-aimés, aujourd'hui là, tout le monde sait comment réaliser ses affaires. Mais il y a des gens qui ont des projets en main, aucune idée, bien-aimés. Tu vas leur dire de réfléchir, ou hum, rien. Tu vas leur dire de faire ça ou rien. Tu vas leur dire de ci ou rien. Tu réfléchis jusqu'à pas moyen, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas moyen même de trouver une idée. Ça dit que tout le monde a un problème et on est inspiré immédiatement. Voici ce qu'on doit faire. La créativité est là. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont assis chez eux là-bas. Là. C'est comme si le cerveau est fermé. Amen. C'est comme si. Non, maman, euh, miracle, laissez ce serge-là. C'est un provocateur. Il y a des gens qui viennent pour provoquer. Ne vous laissez pas provoquer, OK? Voilà. Donc... C'est comme si le cerveau est fermé. Amen. Et tu réfléchis. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Ça dit qu'à moins que le Saint-Esprit intervienne pour qu'il y ait un déclic, pour que tu comprennes enfin, oh, oh, oh mon Dieu, il n'y a pas d'idée. Ils ont fermé le cerveau. Parfois, ils volent le cerveau. Il te ferme ça tu agis même tu comprends pas ce que tu fais aïe Dix ans entraîné sans comprendre ce qui t'arrive on ferme le cerveau on verrouille tes pensées tu crois que tu penses mais en réalité tu penses rien tu es juste tu fais ce que réfléchis tu réfléchis mais en fait tu penses pas oh. aïe bien aimé vous savez l'une des choses qui m'a donné la victoire c'est la capacité réflexive. Tu sais ce que tu dois faire dès qu'il y a une, un problème. Boom. Bien aimé. Dès qu'il y a un boom. Dès qu'il y a un problème. Boom. Tu as des idées. Mes frères, est-ce que vous savez qu'il y a des gens là qui sauront jamais comment s'en sortir Tu vas même bien expliquer. Rien. Je vous dis la vérité, bien aimé. C'est parce que vous vivez ces choses. Vous vivez ces choses. Sans le savoir. Vous oubliez ces choses. Imaginez que moi j'ai été un jour à la station d'essence. Je suis parti. Ce jour-là, Satan voulait me magataper. Vous voyez? Il voulait me taper. J'ai payé carburant. J'ai mis carburant là sans savoir ce qui s'est passé. Je ne suis pas dit payer. <laughs> Vous allez rire. J'ai démarré la voiture, je suis parti sans mettre carburant dedans. <laughs> Ma tête était où ce jour-là, je ne sais pas. Ah, Maintenant, en conduisant, il y a une petite voix en moi qui dit, mais mon ami, <laughs> de toute façon, tu es en train de filer là. Il faut regarder. Je crois que j'étais avec une soeur au téléphone. J'ai dit, mon ami, pardon, je viens de faire une bêtise là. J'ai fait demi-tout vite fait. J'arrive là-bas, il là, y a un monsieur qui était en train de se servir à ma place. J'ai dit, mon ami, c'est moi qui ai payé. <laughs> il m'a dit, mais je ne comprends pas quand je suis arrivé là. Euh, J'ai trouvé qu'il ben, y avait 45 pièces. J'ai dit, mon ami, pardon, c'est moi qui ai payé. Il dit, bon, comme c'est une compagnie, c'est une compagnie, et, et, et il a été gentil. Quand il a fini, il allait payer maintenant pour moi. Et quand j'étais en train de mettre Kabira là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'a pris Ma tête était où Aïe On dirait que j'étais dans un autre monde. Quelqu'un qui va là, il paye à la caisse et puis il démarre la voiture. <laughs> Mon Dieu, la vie est compliquée comme ça. Jésus est parti. Bien-aimé, tu te souviens de toutes les fois que tu allais au supermarché, tu es revenu dans le marché. Aïe Supermarché, tu es allé... Tu, parfois même tu as oublié de payer et puis tu es venu. Mon Dieu, la vie est si compliquée que ça. Non. J'ai regardé un film. Il y a un monsieur qui a mis sa cravate. Il a mis sa chemise. Il a mis ses souliers, mais sans mettre le pantalon. Amen. Combien de fois toi-même tu es sorti sans prendre tes clés? Combien de fois tu as fait des choses? Pour moi, là, tu... Il faut bien rire. <rire> J'ai démarré, je suis parti. Et heureusement, je me suis souvenu de ça. J'allais partir, me retrouver quelque part là-bas pour dire, mais qu'est-ce qui se passe Et là, je vais retourner là-bas. Ils vont dire, non, mon... monsieur. Vous, vous racontez quoi Non, mon ami, tu vas dire à Dieu de délivrer ton cerveau aujourd'hui, là. Amen. Et si je à demander pardon au monsieur, là, quand c'est comme ça, on devient gentil, poli, sage. Donc, j'espère que toi aussi, tu n'as jamais fait ça. Aller payer carburant, tu demandes voiture, tu passes à prendre le carburant. <laughs> tu vas, parfois, tu reviens du marché. Huile, tu mets de côté. Tomate, tu mets de côté. Patate, tu ne vois pas. Ça dit qu'à la caisse, tu as payé et puis tu n'as pas pris pour mettre dans le sachet, tu es parti. Parfois, tu arrives, on met ça à côté pour toi. Parfois, on dit non, monsieur, on ne sait pas où c'est passé. Non, la vie est compliquée. Alors mon ami, il faut prophétiser. C'est trop chaud à l'air là. Donc euh, c'est affaire là qui est là. Tu vas dire à Dieu que tu prophétises que ton cerveau est libéré des filets sataniques au nom de Jésus. Je prophétise que le cerveau de Pré-Cassonia soit libéré. Esprit d'oubli, sors de ma tête au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Sors de la tête de Françoise au nom puissant de Jésus. Esprit d'oubli, sors. Ce démon-là qui fait que tu as ton téléphone en main, tu cherches encore là. <laughs> Amen. Ce, ce démon-là qui fait que tu as ton stylo sur tes oreilles, tes lunettes sur ta tête, mais tu demandes qui a volé. Les enfants, vous n'aviez pas vu mes lunettes Qui a pris mon téléphone Mais ça est dans ta main. Maman, qu'est-ce qui ne va pas Ça est dans ta main. Parfois, tu as crié au voleur. Tu as accusé tout le monde et puis tu as eu honte. Donc voici l'affaire là qui est là. Tu vas dire à Dieu de délivrer ton esprit. Voilà. Peut-être que ce jour tu étais au village et puis tu étais en ville à même temps. Tu vas dire à Dieu de te délivrer au nom de Jésus. Faut dire à Dieu Seigneur si je vis dans deux mondes dé délivre-moi. Seigneur si je vis dans deux mondes délivre-moi. Seigneur délivre miracle destiné au nom puissant de Jésus. Seigneur délivre maman Monique qui met peigne sur ses cheveux qui cherche le peigne. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre aussi tous les enfants spirituels qui oublient de se laver avant d'aller au travail. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre ceux-là qui oublient de se laver avant d'aller dormir. Délivre-les au nom de Jésus. Qui a ce problème? Dieu, priez pour toi. Je prophétise que ce problème est brisé au nom de Jésus. Ton problème est brisé. Brisé. Ce démon-là qui fait que tu oublies de te laver avant d'aller au travail est brisé, brisé au nom de Jésus. Br <laughs> On peut, on peut oublier de se laver avant d'aller dormir. C'est que toi, ton démon, il est fort. À fin, là où, quand tu oublies de te laver comme ça, ton corps là, ça colle. On dirait, tu t'es roulé dans la boue. Tu peux oublier d'aller te laver. C'est que ton démon là, il est trop fort. Soyez délivré au nom de Jésus. Donc, bien aimé, tu vas, tu vas briser la malédiction. Amen. C'est bien. Tu achètes, tu oublies de prendre. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Tu vas briser tout ce que l'ennemi a fait. Je brise toute malédiction sur ta vie. Je brise maintenant les œuvres de l'ennemi sur ta vie. Je prophétise la destruction des œuvres de l'ennemi. Je prophétise la destruction des plans de l'ennemi. Je prophétise la destruction des œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, avant de nous enfoncer plus dans la prière, Amen. Avant de nous enfoncer, enfoncer plus dans la prière, tu vas aimer. Mais ça, c'est pour toi, ça, ok la... c'est ça la vérité. Tu vas tu vas, tu vas, tu vas briser, tu vas briser, tu vas briser la pauvreté. Amen. Tu vas briser la pauvreté. La parole de Dieu dit "Prophétise, fils de l'homme", et dit. Sement desséché, ainsi pas l'éternel. Bien-aimé, tu as vu, non? Tout à l'heure, là, je t'ai montré une bonne prière, tu n'as pas entendu. Vous allez remarquer, non? Que quand Dieu veut qu'on prophétise, là, il veut qu'on crie. Amen. Il est temps de dire: t'es, écoute ma parole. Tout ce qui t'avait été dit par mes ennemis n'est plus valable. Terre, moi éloge et ici. Je suis né pour réussir. Terre, vomis mes bénédictions. Terre, terre du Canada, terre mon entier. Terre, je dois prospérer au nom de Jésus. Vous devez le faire. Amen. Vous devez le faire. Vous oubliez trop vite enfant de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui joue à vos pensées. Donc bien ami, tu marches, tu ne sais pas où tu vas. C'est que ton, ton cas là est grave. Ouais? Mais... <laughs> on va mettre GPS sur toi. <laughs> écolo, on va mettre GPS sur toi. On va te pucer là, on va te rattraper. On ne sait jamais. <laughs> amen. 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 On va te et pour te localiser avec un GPS. <laughs> Et, 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 et dit, ou bien elle dit parfois, elle marche, elle ne sait pas où elle va. <laughs> C'est bien que Dieu te délivre. <laughs> Amen. J'espère que tu es localisable par un GPS, par la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, regardez, le Seigneur a dit, prophétise et dit. Esprit, viens de 80. Il dit, parle aux ossements desséchés. Donc, c'est aux ossements desséchés qu'il a parlé. Tu vas aussi parler au cœur. Tu vas parler à la terre. Tu vas parler au pays. Voilà. Au colonne, reçois l'onction des grâce Reçois le réveil spirituel et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Il n'y a rien de jalousie, mes amis. Donc, voilà. <laughs> Amen. Alors, bien aimé, tu vas... Non, le monde va vraiment mal. Vous savez, il y a des choses que l'ennemi fait depuis longtemps qu'on n'a jamais su. Alors, tu vas parler à la terre. Tu vas parler au cœur. Il faut parler à tous les hommes. Ce n'est pas pour avoir plus, ok? C'est pour avoir juste... C'est pour avoir juste celui que Dieu t'a prédestiné. Ok? Si ta femme aussi est en train de dormir, il faut parler aussi à son âme. Parle à son esprit. Dis à ta femme, tout ce que le diable t'avait dit pendant que tu dormais contre moi, là, tout est révoqué au nom de Jésus. Tout n'a plus de pouvoir. Voilà, tout ce qui a été sémé dans ton esprit est révoqué. Ça n'a plus de pouvoir. Tout ce qui a été sémé dans les esprits à travers le monde, tout ce qui a été sémé dans les cœurs, tout ce qui a été sémé dans les pensées contre moi est révoqué. Je parle au cœur, je parle aux esprits, je parle aux âmes, je parle à ceux. Qui me rejetait sans savoir pourquoi. Je prophétise que le décret portant sur l'interdiction de collaborer avec moi est évoqué. Le décret est révoqué. Je révoque tout décret portant sur l'interdiction de collaborer avec Yoro. Oui, je parle aux âmes, je parle aux hommes, je parle aux femmes, je parle aux gens, je parle aux employeurs, je parle aux investisseurs, je parle aux bienfaiteurs, je parle aux hommes, je parle aux bonnes personnes, je parle aux mécènes, aux mécènes, aux mécènes. Tout décret portant sur l'interdiction d'aider Elise. Portant sur l'interdiction d'aider préca, tout décret portant sur l'interdiction d'aider honoré, d'aider miracle est brisé, est brisé, est brisé. Je prophétise que le décret est brisé. Je prophétise et j'annonce à la terre, à la terre, à la terre, à l'univers accueillez-la, aidez-la, bénissez-la, accueillez-la, aidez-les, bénissez-les, bénissez, bénissez tous les enfants, bénissez tous les enfants. Je au pays du monde entier, je demande au pays du monde entier de collaborer, je demande au pays du monde entier de nous bénir. Je demande au pays du monde entier de nous aider. Je demande au pays du monde entier de nous bénir. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis ma vie. Je bénis mon âme. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Sur ma vie, laisse descendre la pluie. Ciel, ouvre-toi. 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 Ciel, ouvre-toi ouvre-toi ciel du Canada ouvre-toi 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 porte des faveurs ouvrez-vous 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 porte des faveurs 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 ouvrez-vous je prophétise je prophétise au nom de Jésus Tu vas parler au cœur. Tu vas parler aux esprits. Tu vas parler aux gens. Dis-leur, je ne suis pas votre ennemi. Alléluia. Toute personne qui a reçu le mandat depuis le monde des ténèbres d'être mon ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Parle à ton mari. Dis à ton mari, mon mari, tes ordres que tu as reçus dans les ténèbres, je les révoque. Dis mon mari, si c'est ta femme. Dis je ne suis pas ton ennemi. Je parle à ton cœur, je parle à ton âme, je parle à ton esprit et je brise tout ce que l'ennemi a sémé en te faisant croire dans les ténèbres que tu es mon ennemi. Je prophétise que tous les ordres que tu as reçus contre moi dans les ténèbres soient révoqués. Je prophétise que tous les décrets que tu as reçus contre moi dans les ténèbres soient révoqués. Je prophétise que toutes les paroles qui ont été semées dans ton esprit soient révoquées. Je prophétise que tout ce que l'ennemi a sémé dans ta tête, a sémé dans tes pensées, a sémé pour te retourner contre moi, pour me retourner contre toi, pour te retourner contre moi, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué. Je prophétise que tout soit révoqué. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tes enfants ne t'aiment pas? Est-ce que tes enfants ne te respectent pas? Est-ce que tu as, tu as l'impression que tu as une relation pauvre? Une relation pauvre? Une collaboration pauvre? Une coopération pauvre? Ton mari et toi, il n'y a pas de paroles douces. Il n'y a pas de paroles gentilles. Vos conversations ressemblent à des disputes. Vos conversations ressemblent à des chamaillements. Vos, 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 même votre causerie ressemble à une confrontation. Bien-aimé, les esprits ont reçu des ordres mystiques. Je te dis la vérité. Des esprits sont sous influence démoniaque. Alors, tu vas parler à vos esprits. Tu vas dire, esprit de mon mari, esprit de ma femme, esprit de mon mari, cœur de ma femme, cœur de mon mari, pensée de ma femme, pensée de mon mari. Nos pensées, je vous parle. Les ordres reçus dans le monde des ténèbres est les ordres reçus, les ordres reçus, la division est brisée, je les brise, je les brise, les déclarations dans nos esprits, dans nos cœurs, des rejets, je vous brise au nom de Jésus. Je brise tout ce que l'ennemi a sémé dans nos vies. Je brise toutes les paroles sémées dans nos cœurs. Je brise toutes les choses sémées dans nos vies. Je brise tout ce qu'ils ont semé dans nos esprits. Je brise tout ce qu'ils ont semé dans nos pensées. Je brise tout ce qu'ils ont semé dans nos âmes. Je brise tout ce qu'ils ont semé dans nos Je brise tout ce qu'ils ont semé pour qu'on se rejette, pour qu'on se méprise, pour qu'on se dispute. Je brise tout ce qu'ils ont semé dans nos pensées, dans nos pensées, dans nos pensées, je brise. je brise, je brise, je prophétise, que les préjugés s'aimés dans nos esprits soient brisés, la haine dans nos esprits soit brisée, les préjugés soient brisés, que la haine soit brisée, que la haine soit brisée, que, que les conflits soient brisés, que les disputes soient brisées, que les mésententes soient brisées, que le rejet soit brisé, que les soient brisées, que le rejet soit, soit brisé, que le manque de douceur. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, je prophétise que l'esprit des guerres soit brisé, l'esprit des guerres soit brisé, l'esprit des confusions, soit brisé, l'esprit des guerres, soit brisé et chassé, soit brisé et chassé, soit brisé et chassé, l'esprit des confusions, l'esprit des mésententes soit brisé et chassé, soit brisé et chassé, soit brisé et chassé, soit brisé et chassé. Soit brisé et chassé soit brisé soit brisé et chassé je prophétise que le manteau des guerres le manteau des guerres le manteau de guerres le manteau de guerres soit brisé et chassé soit brisé et chassé soit brisé 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 je prophétise. Que les arbres, les conflits dans nos sein, soient brisés, dans mon sang, soient brisés, dans ton sang, soient brisés, dans mon sang, soient brisés, dans ton sang, soient brisés, dans mon sang, soient brisés, dans ton sang, soient brisés, dans mon sang, soit brisés, dans ton sang, soit brisé, dans mon sang, soit brisé, les conflits dans nos sangs, les conflits dans nos cœurs, les conflits dans nos sangs, soient brisés, soient brisés. Je prophétise, que la pauvreté dans mon sang soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée soit brisé soit brisé soit brisé prophétise que la pauvreté dans mon sein soit brisée que les conflits dans mon sein soit brisé soit brisé soit brisé soit brisé que les cordes soient brisées les cordes sataniques dans mon sein soient brisées les cordes 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 soient brisées brisé. au nom de Jésus Amen Bien-aimé Peut-être que vous n'avez pas fait attention. J'ai composé une chanson. Une chanson. Non, Dieu, 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 Dieu nous parle. Vous voyez, l'apôtre Okanjo nous a éclairé sur des choses. Vous savez, cet homme, je l'aime beaucoup euh, parce que c'est un homme... Qui nous éclaire et qui nous enseigne. Mais, bien-aimés, est-ce que vous savez que j'ai composé une chanson que j'ai intitulée Music is in, in my blood Vous vous souvenez de ça J'ai composé une chanson intitulée Music is in my blood sans savoir. Le Seigneur m'a permis de comprendre. Tu comprends maintenant pourquoi tu as chanté « Music is in my blood ». Mon homonyme était le seul musicien de mon village. Le jour qu'il qu est mort, les gens avaient besoin d'un successeur. Comme musicien, ils sont allés prendre son sang spirituellement. Ils sont venus mettre son sang dans mon sang. Le jour ils ont enterré mon homonyme en, 2000, en, 2000, en 1990, moi, j'ai commencé à me promener pour chanter exactement comme lui. Quelques années après, je compose I love music. Music is in my blood. I love music. If you love music, music is in your blood. Sans le savoir, j'étais en train de dire quelque chose. Que c'est dans le sang qu'ils ont mis la musique. C'est pour ça que tu aimes la musique. Et heureusement pour moi, c'est la musique. Donc vous comprenez comment les sorciers font, non Ils prennent la vie de telle personne qu'on veut et on met dans ton sang. Aujourd'hui, là, regarde ce qui se passe dans ta vie. Il y a quelqu'un dans ta famille, là. Toi et lui, vous avez la même vie, même histoire, même parcours, même réalité. Tu vas détruire toute malédiction dans ton sang. Et tu vas briser maintenant la malédiction dans ton sang. Vous savez, quand on prend le sang de la personne pour mettre en toi, c'est que tu as deux âmes. Amen. Tu as deux âmes. Le sang, c'est l'âme. Et ce qu'ils font, c'est de t'imposer la vie de la personne. C'est pour ça que tout se répète exactement. En fait, c'est la personne qui vit en toi à travers son sang. Si la Bible déclare que nous ne devons pas manger le sang, parce que l'âme d'une personne est dans son sang. Donc, ce qui veut dire que quand on prend la personne, son sang qu'on met en toi, c'est la personne qui vit en toi. Voici pourquoi il vous est difficile d'accomplir vos destinées. Parce que vous êtes en train de continuer la destinée de la personne dont on a mis le sang en vous. C'est ce qu'on appelle le transfert du pouvoir. Ils ont besoin d'un successeur. Je vous ai dit, l'homonyme, j'ai enseigné à quelqu'un, il dit, ma soeur, toi tu es homonyme de qui? J'ai parlé avec la dame et le Saint-Esprit m'a dit, le nom qu'elle porte là. C'est le nom de sa grand-mère. Elle est homonyme de sa grand-mère. Elle vit la vie de sa grand-mère. Elle était étonnée. Elle dit, ma soeur, quand tu m'as donné le nom, est-ce que tu m'as dit que c'est le nom de ta grand-mère Elle dit non. Voilà. Je vais te donner le secret de l'homonisme. Je ne sais pas si je dois appeler ça l'homonisme, mais pourquoi les Africains se battent pour donner leur nom à quelqu'un Tu veux savoir le secret je vais te le dire. Vous savez, dans la vie, là, quand tu as des enfants, tu as un testament. Et lorsque le testamentaire décède, alors celui au nom de qui le testament a été fait devient l'héritier. Alors les sorciers cherchent aussi des héritiers. Je brise toute alliance d'héritage satanique au nom de Jésus. Les sorciers cherchent des héritiers. Alors, comment est-ce que l'héritage peut être transféré? L'héritage ne sera transféré que par le choix de la personne qui va porter le nom. Et en portant le nom, tu portes aussi le sacerdoce de la personne, c'est-à-dire la charge de sa mission. C'est toi qui vas continuer ça. C'est ce qu'on appelle le transfert de pouvoir. Mais avant que le pouvoir soit transféré, il faut que tu portes le nom de la personne. Cela fait de toi ton, son intérimaire et son successeur dans le monde spirituel. Voici d'où vient le secret de l'homonisme en Afrique. Vous savez, si tu donnes ton nom à quelqu'un que tu aimes parce que la personne t'a aidé, ça là, on comprend. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a aidé. Je lui ai donné le nom de ma fille. J'ai donné son nom à ma fille. Mais étrangement... Ce monsieur est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un intelligent, un intellectuel, un anglais, que j'ai pris son nom pour donner à ma fille, parce que c'est lui qui nous a aidés à venir au Canada. Bien-aimé, ma fille a la même détermination comme ce monsieur. Sans le savoir, elle a le même comportement. Heureusement que je n'ai pas pris le nom d'un villageois pour venir donner. Regardez ce qui se passe. Donc, ils savent que pour continuer à exister. Il faut que quelqu'un porte ton nom. Frère, je vous ai déjà dit, le pouvoir du nom. Est-ce que vous savez pourquoi les Blancs ont imposé à tout le monde d'avoir les mêmes noms? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui porte ton nom, tu contrôles sa destinée. Amen. Celui-là qui porte ton nom, là. Tu contrôles sa destinée. C'est pour ça qu'on a imposé à tous les pays là, colonisés là, de porter le nom des colonisateurs. Vous n'avez pas remarqué? Dites aux haïtiens de vous donner le nom de, leur vrai, de leurs ancêtres. Ils n'en ont pas. Ils ont changé leur nom. Il y a un pouvoir dans le nom. Demandez aux Guyanais, je vous respecte, mais je vous donne le secret. OK? Demandez aux Antillais. Ils vont te dire qu'ils s'appellent Pierre Jean. Parfois tu dis c'est ton prénom et nom des familles. Non, 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 non. Nom des familles, c'est Jean. Or, oh, Jean, c'est le prénom de leur colonisateur. Donc, les gens connaissent le pouvoir du nom. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire On te transfère le nom afin de changer ton destin. Et une fois que tu as le nom, si tu ne pries pas pour briser, je te garantis, tu vas commencer à vivre les mêmes choses que la porte le nom. Regarde, tu portes le nom de ta grand-mère. Mais ta grand-mère, là, elle et toi, vous avez à peu près les mêmes réalités. Parce que tu annonces seulement son nom et tu as son sang. Regarde ta vie, tu vas voir. Regarde le nom de la personne dont tu portes le nom. Tu vas voir ressemblance dans certains aspects de ta vie. C'est grave ce que je te dis. Le fait de choisir quelqu'un qui va porter ton nom, oh non, ton, parfois même l'enfant est encore dans ton ventre et puis il y a une lutte. Il cherche des succès dans les ténèbres, dans la famille. Il cherche des successeurs. Il y a des gens qui peuvent le faire de manière inconsciente. Bien, mais tu n'as jamais vu quelqu'un qui est enceinte. Ce n'est pas toi qui l'as... C'est pas eux qui l'ont enceinté. Mais il faut voir la lutte. Oh oui, l'enfant doit porter mon nom. L'enfant doit porter mon nom. Si ton enfant n'a pas fini, les Africains, ils ramassent tout en même temps puis ils te donnent. C'est la vérité. et hey, à faire des noms, de toute façon, c'est sérieux. Il veut... C'est ce qu'on appelle le transfert du pouvoir. Et la personne-là, veut que lorsqu'elle meurt, quelqu'un va continuer sa mission dans la sorcellerie. Voici le, le sens de l'homonisme. Je vous dis la vérité. Voici le sens de l'homonisme. Et puis tu vas voir que la personne dont tu portes le nom là, si c'est une sorcière là, tu vas voir que tu la vois toujours en rêve. Tu la vois toujours en rêve. Pourquoi Il y a une réclamation de nom sur ta vie. Les esprits avec lesquels la personne composait là, quand elles entendent ton nom là, les esprits croient que c'est toi. Parce que dans les ténèbres, c'est à toi qu'on a transformé sa responsabilité. Vous savez, je suis jeune, selon certaines personnes, malgré mon âge, mais je connais beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses et le Seigneur, dans sa grâce, me révèle beaucoup de choses. Bien-aimé, tu n'as pas remarqué, l'homonisme, c'est un transfert de pouvoir. On prend le nom pour te donner. Parce que la personne, lorsqu'elle meurt, elle veut quoi? Un successeur. Vous-même, regardez. Allez-y, voir Si je me trompe. Allez, si je me trompe. Vous n'avez pas vu comment ils se battent pour vous donner leur nom. Amen. Vous n'avez pas vu comment ils se battent pour vous donner leur nom. Hein? Dans le ventre, l'enfant est encore là-bas. Mais l'enfant doit porter leur nom. Si c'est une fille, c'est mon nom. Si c'est un garçon, c'est mon nom. L'autre oncle dit non, mon nom. L'autre tante dit non, mon nom. Voilà, donnez, 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 donnez. Donne. Finalement, toi-même, tu en as marre. Alors, tu vas détruire le pouvoir de ce nom. Amen. Tu vas détruire le pouvoir de tout nom magnifique qui influence ta vie. Et tu vas demander, tu vas demander à la personne de sortir dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas briser au nom puissant de Jésus. Tu vas détruire le pouvoir, le pouvoir d'un nom hérité, des problèmes, des problèmes qui sont liés à cela. Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise tout nom qui m'a été donné, bien-aimé. Je brise au nom de Jésus l'emprise du nom de cette personne qui vit à moi. Tu dois sortir de ma vie. Je donne à toute personne dont je porte le nom de sortir de mon corps, de sortir de mon âme, de sortir de mon cœur, de sortir au nom puissant de Jésus. Je demande au nom puissant de Jésus, tu sors de ma vie. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors au nom puissant de Jésus. Tu sors au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sors, 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 tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors au nom puissant de Jésus. Tu sors au nom puissant de Jésus. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors au nom puissant de Jésus. Tu sors, 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 tu sors sors, ça ça sors, 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 je brise maintenant ton héritage dans mon sang je brise maintenant 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 je brise 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 tes alliances tes alliances tes alliances tes alliances tes alliances dans mon sang tes alliances tes accords ta vie dans mon sang ta vie dans mon âme Ta vie dans mon sang, ta vie dans mon âme, ta vie dans mon sang. Ta vie, ta vie, ta vie. Je brise l'emprise de mon homonyme. Je brise, je brise, je brise, je brise et j'expulse sa vie de ma vie. Sa vie, sa vie ne sera pas ma vie. Ta 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 vie, ta vie, ta vie, ta vie. Je brise le pouvoir de mon homonyme sur ma vie. Je brise l'emprise de mon homonyme. Je brise, 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 je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise les causes, je brise le pouvoir, je brise le pouvoir, je brise le code, je brise et j'expulse son esprit de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. J'expulse, 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 j'expulse. Je refuse de vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'expulse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tendu Prophétise, fils de l'homme. Tu dois prophétiser. Mais nous sommes en jeûne et prière. Ici-là, nous sommes là pour prier. Vous voyez? Et nous sommes là pour détruire les choses. Tu vas briser la pauvreté. Tu vas briser tout ce qu'ils ont fait contre toi. Amen. Frère, la vie est remplie de mystères. La vie... Est rempli de choses qu'on ne comprend pas. On tente du mieux qu'on peut, mais nous savons que les réalités sont parfois complexes. Alléluia. Les réalités sont parfois très complexes. Et on ne comprend même pas qu'est-ce qui arrive. On ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas. Parce qu'ils sont en train de t'imposer une autre vie. Ils sont en train de t'imposer une autre réalité. Alléluia. Tu vas prophétiser que la pauvreté soit brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. Au nom de Jésus, la pauvreté est brisée. La pauvreté sur la vie de l'homme qui s'est brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. Je prophétise que la pauvreté sur ma vie soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que les erreurs soient brisées. Répète avec moi. Je prophétise que la pauvreté dans ma famille soit brisée. La pauvreté dans mon mariage soit brisée. Je prophétise que la pauvreté dans mes projets soit brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée, que la pauvreté soit brisée, que la pauvreté soit brisée au nom de Jésus. Je prophétise que la pauvreté sur Miriam soit brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. Je prophétise que la pauvreté sur Benga soit brisée au nom de Jésus. Que la pauvreté qui t'a été lancée soit brisée l'esprit de pauvreté qui t'a été brisé. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. La pauvreté soit brisée au nom de Jésus. Je brise la pauvreté. Je brise la malédiction. Je brise la pauvreté. Je brise la malédiction. Je brise la pauvreté. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. les barrières. Je brise la pauvreté, que la pauvreté soit brisée, que la pauvreté soit brisée, que ma pauvreté soit brisée. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, que la pauvreté sur ma vie soit brisée, la pauvreté sur Delali soit brisée, la pauvreté sur Rosemary soit brisée. Je prophétise que la limitation soit brisée, soit brisée, soit brisée. Je prophétise que la pauvreté sur ma famille, sur ma vie, Soit brisé, 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 soit brisé. Au nom de Jésus, je prophétise que la pauvreté sur l'église soit brisée, la pauvreté sur ma vie soit brisée. La pauvreté sur mes relations. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, que la pauvreté sur Isabelle soit brisée. La pauvreté est la limitation soit brisée, la pauvreté soit brisée, je prophétise que la pauvreté sur ma vie soit brisée, la pauvreté sur Dariel soit brisée, la pauvreté sur Edison soit brisée, la pauvreté sur ma famille soit brisée nom de jésus je prophétise le brisement de la pauvreté je brise la pauvreté soit brisée 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 au nom de jésus je prophétise que la pauvreté soit brisée soit brisée soit brisée la limitation mentale la pauvreté mentale la pauvreté intellectuelle la limitation mentale la limitation mentale la limitation mentale la pauvreté Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Le décret est révoqué. Terre, écoute-moi, le décret est révoqué. Terre, écoute-moi, le décret est révoqué. Canada, écoute-moi. Canada, écoute-moi. Pays du monde entier, écoutez-moi. Pays du monde entier, pays du monde entier. Je vous le dis, au nom de Jésus, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez ma voix. Vous devez me laisser avancer. Vous devez me laisser réussir. Vous devez me laisser avancer. Vous devez me laisser réussir. Pays du monde entier, hommes du monde entier, femmes du monde entier, écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Le décret est brisé, la malédiction est brisée, le décret est brisé, la malédiction est brisée, le décret est brisé, la malédiction. Oui, la malédiction n'est plus, la malédiction n'est plus, l'interdiction n'est plus, la pauvreté est brisée, la pauvreté est brisée, la pauvreté est brisée, la pauvreté est brisée, la pauvreté. Oui, la pauvreté est brisée. Je prophétise que ma pauvreté n'existe plus. Je brise la pauvreté. Je brise... Je brise la pauvreté je brise la pauvreté la pauvreté je brise la pauvreté je brise je brise je brise la pauvreté dans mon sang la pauvreté dans mon sang la pauvreté dans mon attitude la pauvreté dans mon sang est brisée est brisée est brisée est brisée est brisée est brisée, est brisée, est brisée. Si Écoute-moi, ciel et univers. Écoute-moi. Univers écoute-moi. Univers écoute-moi. La pauvreté est brisée. La pauvreté est brisée. La pauvreté sur Gotha est brisée. La pauvreté est brisée. La pauvreté est brisée. La pauvreté sur Sarah est brisée. La pauvreté sur Eloge est brisée. La pauvreté sur Maïlis est brisée. La pauvreté sur Denova. Sur Eva. Sur Nadia est brisée. La pauvreté sur ma vie est brisée. La pauvreté sur Véronique est brisée. La pauvreté est brisée. La pauvreté est brisée est brisée, la pauvreté est brisée terre écoute-moi terre des vivants terre des vivants ciel écoute-moi ciel écoute-moi ainsi parle l'éternel 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 tout ce que je demande si je crois je le verrai s'accomplir je le verrai s'accomplir je prophétise sur les rois je prophétise sur les rois que la volonté de l'éternel soit désormais faite que la volonté de dieu soit désormais faite que la volonté de dieu soit désormais faite je prophétise sur les hommes, je prophétise sur les nations, je prophétise sur ce pays, je prophétise sur cette ville, je prophétise sur mon quartier, je prophétise sur Higo, je prophétise sur tous les pays, je prophétise sur toutes les nations, je prophétise, je prophétise, que la volonté de l'éternel soit faite, que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite, terre, écoute-moi, terre, écoute-moi, terre, écoute-moi, écoute-moi, écoute village, écoutez-moi, village, écoutez-moi, village écoutez-moi village écoutez-moi écoute ainsi parle l'éternel ainsi parle l'éternel ainsi parle -tème. nation écoutez-moi nation écoutez-moi nation écoutez-moi la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée la malédiction est brisée la malédiction est brisée la malédiction est brisée la limitation est brisée terre 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 écoute-moi aujourd'hui écoute-moi aujourd'hui écoute-moi aujourd'hui l'interdiction brisé l'interdiction est brisée, l'interdiction est brisée, l'interdiction est, est brisée, la malédiction est brisée, la malédiction est, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Pro que ma malédiction est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Terre, écoute-moi. Taie. écoute-moi. Je suis né pour réussir, 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 au nom de Jésus. Je prophétise que mes vraies destinées se manifestent, je prophétise, je prophétise que mes vraies destinées se manifestent. Je prophétise, je prophétise que mes vraies destinées se manifestent. Je prophétise, je prophétise que mes vraies destinées se manifestent. Je prophétise, je prophétise que mes vrais destinées se manifestent. Je prophétise, je prophétise que mes vraies destinées se réveillent, 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 se réveillent. Se réveille, se réveille, se réveille. toi éloge. Réveille-toi, éloge. Réveille-toi. Destiné de loger ici. Réveille-toi, 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 réveille-toi écoutez-moi, terre, écoutez-moi, terre, écoutez-moi, terre, écoutez-moi, terre, écoutez-moi. Écoutez Ville, écoutez-moi. Ville, écoutez-moi. Habitant, écoutez-moi. Habitant, écoutez-moi. La, La pauvreté est brisée. 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 Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demandez. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. La pauvreté est brisée. La malédiction est brisée. La pauvreté est brisée. La malédiction est brisée. La pauvreté est brisée. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Eloge vivra, vivra. Eloge vivra. Eloge, eloge vivra. Eloge vivra. Eloge vivra. Eloge vivra. Eloge vivra Eloge vivra la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée Vero vivra vero vivra Vero vivra vero vivra vero vivra natacha vivra natacha vivra natacha vivra la pauvreté la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée la pauvreté est brisée je prophétise je prophétise je prophétise je prophétise que la malédiction dans mon sang est brisée 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 le code la malédiction le code la malédiction sont brisés 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 sont brisés, sont brisés au oh, nom de Jésus. Je prophétise que cette année, tout ce que je déclarerai s'accomplira et que ce que mes ennemis ont déclaré mourra avant de sortir de leur propre bouche au nom puissant de Jésus. Je prophétise que tout ce que j'ai déclaré cette année S'accomplira et que ce que mes ennemis ont déclaré mourra avant même de sortir de leur bouche. Je prophétise que les paroles de mes ennemis sont nulles et sans effet. Je prophétise que les paroles de mes ennemis soient nulles et sans effet. Je prophétise que les paroles de mes ennemis sont nulles. Et sans effet. Je prophétise que les paroles de mes ennemis soient nulles et sans effet. Je prophétise, je prophétise, je prophétise que les malédictions de mes ennemis soient nulles et sans effet. Je prophétise que les malédictions de mes ennemis soient nulles et sans effet. Je prophétise que les malédictions venant de mes ennemis soient nulles et sans effet. Je prophétise que les malédictions venant de mes ennemis, soit nul, et sans effet. Je prophétise que les malédictions venant de mes adversaires, soient nulles et sans effet. Terre, écoute-moi. Homme, écoutez-moi. Femme, écoutez-moi. Être vivant, écoutez-moi. Terre, écoute-moi. Soleil, écoute-moi. Vent, écoutez-moi. Esprit, écoutez-moi. Le décret est révoqué. La malédiction est révoquée. Le décret est révoqué. La malédiction est révoquée. Tout décret portant sur l'interdiction de m'aider. Tout décret portant sur l'interdiction de me soutenir. Tout décret portant sur l'interdiction de m'aimer. Tout décret portant sur l'interdiction de marier cette sœur est brisé au nom de Jésus. Elle est brisée maintenant. Il est brisé. Il est brisé. Le décret est brisé. Le décret est brisé. Le décret est brisé. J'annonce que le décret est brisé. Tout décret portant sur l'interdiction de prendre cette sœur pour femme est brisé. Tout décret portant sur l'interdiction de prendre ce monsieur pour mari est brisé. Mais ne me répète avec moi. Tout décret portant sur l'interdiction de me prendre pour mari est brisé. Tout décret portant sur l'interdiction. De te prendre pour est brisé. Si tu es une femme, si tu es un homme, tu dis pour mari ou pour femme. Amen. Tout décret portant sur l'interdiction de nous entendre est brisé. Le décret est brisé. Terre, le décret est brisé. Ma maison, le décret est brisé. La malédiction est brisée. La limitation est brisée. Le décret est, brisé. le décret est brisé. Le décret est brisé. Tout décret, tout décret, tout décret portant sur l'interdiction de nous aimer est brisé. Tout décret. Portant sur l'interdiction de nous aimer, de nous entraider, de nous soutenir, de nous aider, de nous accompagner, de nous soutenir, est brisé. Tout décret est brisé, tout décret est brisé, tout ce que l'ennemi a mis sur moi est brisé, tout ce que l'ennemi a mis sur moi est brisé. Tout ce que l'ennemi a mis sur moi est brisé, tout ce que l'ennemi a mis sur moi est brisé, tout ce que mes ennemis ont mis sur moi est brisé. Tout, brisé, tout soit 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 brisé, le décret est brisé. Au nom de Jésus. Amen. La prière fervente, du juste, a une grande efficacité. Bien aimé. Tu es là pour être formé. Tu es là pour être entraîné. Tu vas courir un peu derrière moi, mais tu vas t'habituer à ça. Si tu écoutes bien, tu sauras que la prière est répétée. Voilà. Parle au terre. Parle au cœur. Frère, quand les sorciers vont dans les ténèbres, ils vont faire une annonce, une annonce internationale. Ils parlent au terre. Ils parlent aux nations. S'ils savent que tu es en France, ils appellent la France. Ils ferment les portes de la France à telle personne. Ils ferment France à telle personne. Ils ferment les cœurs de la France à telle personne. Ils ferment les, les, les yeux de, de la France à telle personne. Ils ferment les pensées de la France à telle personne. Bien-aimé, tu es dans ton coin. Tu es en train de crever dans ta galère. Qui pense à toi? Bien-aimé. Qui pense à toi? Les gens ne pensent à toi que quand ils ont besoin de toi. Parce qu'ils ont déjà parlé au pays à distance. Ils ne sont pas venus avec toi, mais ils peuvent parler au pays à distance. C'est la vérité que je vous dis. Toutes les nuits, telle personne où tu es parti en France, tu ne feras rien. Je te ferme les portes. Je te ferme les cœurs. Je te ferme les esprits. Je te ferme la terre. La terre va te vomir, la terre va te rejeter. Bien aimé, ce sont des secrets que je suis en train de vous apprendre. Vous avez remarqué depuis que notre programme a commencé, ça m'attaque ou oh, ça m'attaque. Actuellement là, notre site internet là, ça passe pas. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour travailler parce que ils ont entendu sur internet, j'ai annoncé que j'allais mettre des prières puissantes. Vous savez, les sorciers consultent. Ils vont dire Bon, telle personne a annoncé un événement. Consultez pour voir comment l'événement va se terminer. Bien aimé, si l'événement ne t'apportera rien là, ils ne vont, ils vont pas te déranger. Telle personne a annoncé son mariage. Consultez pour voir si c'est vrai mariage. Ils vont dire On a consulté. C'est vrai, elle a rencontré l'homme de sa vie. Est-ce que ça correspond Oui. Dans le dossier là, est-ce que c'est le nom du gars? Oui. Ils vont dire, toucher quelqu'un pour s'opposer à ce mariage, créer des scandales, soulever des railleries, envoyer des démons. Oh, bien aimé, ils ont fait ça pour moi. Je vous dis la vérité. Quand je devrais me marier, hey, même des revenants sont sortis de leur tombeau pour venir accuser loger ici. Le jour que j'ai eu la victoire, trois hommes sont apparus dans et puis, il y a un qui a dit, Eloge a tout fait jusqu'à il s'est marié. Mais ce n'était pas encore fait. Hein. Physiquement, ce n'était pas encore fait, mais spirituellement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Eloge a tout fait jusqu'à il s'est marié. Frère, le Seigneur m'entend parler. Ça veut dire que dans le spirituel, ils ont consulté. Mais avant le mariage, la coiffeuse envoie... Le testo à, à ma femme. Faut pas te marier à lui. Ce monsieur-là est mauvais. Elle me connaît pas. Hein? Elle m'a jamais vu de ses propres yeux. Si ce n'est pas à la télé. Telle personne s'élève. Non, il a des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Ils ont souillé quoi Il y a des détails que je vous épargne. Bien même des gens qui me connaissent pas sont venus me juger. On m'a traité d'être vaudou. On m'a traité d'être sorcier. On m'a insulté. Même les pasteurs ont mis leur bouche dedans. Et... Non. Avant que ma femme ne vienne, le Seigneur m'a dit, va en Italie, va chercher ta femme. Je suis arrivé en Italie. J'ai dit à ma femme, le Seigneur m'a envoyé te chercher. Elle m'a dit, non, il faut attendre. J'ai dit, non, le Seigneur m'a envoyé pour te chercher. Frères et sœurs, j'ai dit à ma femme, va et démissionne. Aïe, les gens disent, ne démissionne pas. Il y a même quelqu'un qui lui a dit, non. Il faut partir essayer. Si ça ne va pas, tu reviens. Et moi un conseil de l'homme. Et moi un conseil. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire de démissionner. Allons au Canada, tu ne manqueras de rien. Elle était confuse. Elle ne sait pas si elle doit démissionner. Elle m'a écouté. Elle dit, je vais démissionner. Ils l'ont manipulé. Oh, il ne faut pas démissionner. Oh, mais il a dit, mais attends. Est-ce qu'à l'âge-là, on va pour essayer On ne va pas pour essayer Quand on veut réussir dans un mariage, on se donne pour réussir. On met les moyens pour réussir. Pourquoi vous allez venir dire Ma femme m'a écouté. Elle a donné 10 jours à ses patrons. Elle dit Elle veut démissionner. Elle a écrit la lettre. Elle a, elle a posté. Ils ont accepté. Ils ont payé ses droits. Bien-aimé, ma femme a démissionné. Une semaine, deux semaines après, le corona s'est aggravé. Toute l'entreprise a fermé. Tous ses collègues ont été mis sur le carreau. Tout le monde a été renvoyé. Tout le monde a été laissé tomber sans paiement. Tout le monde a été laissé tomber sans salaire. Tout le monde a été renvoyé chez lui. Tous ses collègues maintenant s'inquiétaient. On va faire comment? Mais en attendant, le Seigneur avait déjà dit à son prophète dis à ta femme de démissionner. L'amener dit, waouh. Waouh. Donc Dieu a vu dans le futur. Il dit, dis à ta femme de démissionner. Je lui ai dit, elle a démissionné. Une semaine après, l'entreprise a fermé. Elle travaillait à Expedia. L'entreprise a fermé. Tout le monde renvoyé. Bien-aimé, je suis... Le prophète de l'éternel. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors, tu vois, Dieu ne se trompe jamais. Quand il donne une date, ça arrive. Frères et sœurs, apprenez à écouter vos proches parfois. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, ses collègues sont là-bas, là. Ça galère, ça souffre. Parce que pendant le corona, là, qui voyageait? Toutes les compagnies de voyage, aux agences de réservation, où tout est fermé. Tout le monde est resté à la maison. Mais elle, le Seigneur, s'est souvenu d'elle. Donc, bien-aimé, tu vas dire à Dieu que tous les cœurs qui ont été endurcis contre toi à travers le monde soient touchés par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, où tu es là, Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui l'a prévu, quelque part dans le monde, ton bienfaiteur. Tu as un bienfaiteur quelque part dans le monde. Tu veux, tu ne veux pas là. Il existe. Alléluia. Il existe quelque part. Et la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui appelle d'une telle antenne et non pour venir accomplir ses dessins dans ta vie. Amen. La parole de Dieu l'a dit. La parole de Dieu l'a dit. Elle l'a dit. Donc, bien aimé. Si l'ennemi veut bloquer ta vie, il parle au cœur, il parle au pays, il parle aux nations. Écoutez, il y a une interdiction du mariage sur telle fille. Écoutez, il y a une interdiction. Bien-aimé, regarde. L'homme vient, il te prend, il t'amène dans les hôtels, parfois même il a même honte de t'amener chez lui. Ce n'est pas parce qu'il est marié. En fait, il est juste venu t'utiliser comme son si pneu, ses coups. Il est juste venu se soulager à toi. Tu vois, non? par respect au moins là il est célibataire il pouvait t'emmener chez lui à la maison c'est pas que sa maison est vilaine il n'osera même pas il va plutôt t'emmener dans les hôtels parce que c'est ce qui a été dit pour, pour juste montrer que elle n'est pas quelqu'un qui doit rentrer dans un foyer dans une maison d'un homme une interdiction donc tu vas voir que tu as vécu avec un homme tu as été son, sa copine ou je ne sais quoi là tu n'as jamais vu la maison où il dort mais seulement tu as vu tout simplement les hôtels Parfois même, c'est chez toi qu'il venait. Quelle humiliation. J'espère que tu sortiras de ça. Quelle humiliation. Tu as fini une relation de 50 ans. Tu n'as jamais vu la maison où habite ton, ton copain. Il a trouvé seulement des excuses. Parce qu'il y a une interdiction sur ta vie. Et je révoque l'interdiction dans le nom de Jésus. Je prophétise que l'interdiction sur ta vie est révoquée. Je... Révoque toute interdiction sur ta vie. Au nom de Jésus. Toute interdiction qui pèse, qui pèse est révoquée. L'interdiction est révoquée. L'interdiction révoquée, 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 révoquée. L'interdiction est révoquée. Je brise toute interdiction. Au nom de Jésus. Tout décret sur ta vie est brisé. Le décret est brisé. Je prophétise que le décret soit brisé. Je prophétise que l'interdiction soit brisée. Toute interdiction portant sur euh, tout décret. Tout décret portant sur l'interdiction de te prendre pour femme, de te prendre par n'importe quel homme, je brise au nom de Jésus. Je brise, je brise les condamnations sur ta vie, les condamnations sur ma vie, les malédictions sur ma vie. Je brise au nom de Jésus. Je prophétise que toute malédiction qui dit que peu importe ce que je ferai par les autres, pour les autres, ils m'abandonneraient. Je brise au nom de Jésus. Je brise toute malédiction dans mon sang, dans mon sang, dans mon âme, dans mon, âme, dans mon esprit qui dit, peu importe ce que je ferai pour les gens, les efforts, on finira par m'abandonner, on finira par me délaisser, je te brise au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise toute malédiction, tout décret portant sur l'interdiction de m'aider soit brisé au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui dit peu importe ce que je ferai pour les autres, ce que je serai pour les autres, ils finiront par me trahir, par me bloquer, par me rejeter. Je brise au nom de Jésus. Je brise, je brise, je prophétise que tout décret, que toute malédiction, que toute chose, que toute parole, tout décret. Qui dit que, peu importe ce que je ferai pour les autres, ils finiront par me trahir, par me tourner d'eau, par me trahir, soit brisé au oh, nom de Jésus. Je brise le décret. La malédiction, la malédiction, la malédiction qui dit que peu importe, peu importe ce que je ferai pour les autres, peu importe ce que pour les hommes, peu importe ce que je ferai pour les femmes. Ils finiront par m'abandonner, par me délaisser, par me rejeter, soit brisé au oh, nom de Jésus. Toute malédiction dans mon sang, dans ma vie, dans mon corps, dans ma vie, qui dit que peu importe ce que je fais, peu importe les efforts, peu importe les efforts, je serai abandonné, je serai délaissé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Soit brisé. Je brise la malédiction dans mon sang, la Malédiction d'échec conjugal. Malédiction d'échec conjugal. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise la malédiction d'échec. La malédiction dans mon sang, la malédiction de la nation, la malédiction du sang envoûté. Je brise, je brise, je brise, je brise, je prophétise. Que cette malédiction soit brisée, soit brisée et sorte de ma vie. 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 Soit brisée, toute malédiction, toute malédiction, toute malédiction qui veut que les gens ne soient pas reconnaissants pour mes efforts, reconnaissants pour mes efforts. Soit brisé, 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 soit brisée. soit je prophétise. Le brisement de la... de la pauvreté, je prophétise que la pauvreté soit brisée. Je prophétise que la malédiction soit brisée. Je prophétise que l'alliance soit brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. 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 Que la malédiction soit brisée. La malédiction sur ma vie. La malédiction sur ta vie. La malédiction sur nos vies. La malédiction sur mon mariage. Soit brisée. 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 Soit brisée sois brisé soit 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 brisé toute malédiction qui dit que vous êtes condamné à échouer ou à vous séparer soit brisé au oh, nom de Jésus je brise tout décret qui dit que nous sommes condamnés à échouer ou à nous séparer, à nous disputer, à nous quereller. Je brise, 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 la malédiction. Je brise les décrets. Je brise la malédiction. Je brise les brise, Je brise le sang envoûté. Je brise, 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 je prophétise que la pauvreté dans mon sang, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit doit briser. Au oh, nom de Jésus, qui est béni ce matin, qui est vraiment, vraiment, vraiment béni ce matin. Bien aimé, tu veux me faire plaisir? Fais tu s'il te plaît, partager. Reçois la faveur et la grâce de Dieu maintenant. J'espère que tu t'es abonné. Nous sommes seulement au premier jour de notre combat spirituel. Amen. Nous sommes au premier jour. Nous sommes au premier jour. Nous sommes au premier jour. Alors, peut-être que tu es en train de me suivre, mais tu ne t'es pas encore abonné. Tu peux liker notre page maintenant. Prends une minute, like la page. Like, like, like. Et aussi, je t'ai dit que d'ici quelques heures, quand le service, euh, le service informatique va finir par résoudre le problème technique sur notre site Internet, tu pourras te connecter. Si vous avez essayé de vous connecter que vous n'avez pas pu, le site ne charge pas, ce n'est pas grave. Nous avons reçu beaucoup d'attaques. Mais on va les régler. Amen. On va les régler. On va les régler. Alors, tu vas, tu vas, tu, tu vas, tu vas, tu vas plutôt t'abonner. Abonne-toi maintenant. Euh, Abonne-toi sur, sur, sur YouTube ou sur Facebook. Abonne-toi. Tu peux activer toutes les cloches pour recevoir la notification. Là où tu es là, tu peux t'abonner. Ça ne t'écoute rien. C'est un abonnement gratuit. Abonne-toi. Voilà. Maintenant, tu vas encore briser. Frère, lorsque tu veux faire une prière fervente là, fais comme moi je te le fais. Fais comme je t'enseigne. Ce n'est pas parce que j'ai envie de prier rapidement. C'est vrai, je suis habitué à prier rapidement. Mais cette stratégie marche beaucoup. Je ne vais pas venir parler comme un verre des thèses, joint, join, joint, joint, puis ils vont annuler mes prières. Moi, sorcier qui veut annuler mes prières, là. en tout cas, il n'a qu'à avoir des reins solides. C'est la vérité. Bien-aimé, Clique sur, je m'abonne. Et va sur site Facebook. Il faut liker notre page ou bien il faut suivre. C'est toi qui seras béni, dans tous les cas. Donc, bien aimé il faut faire une prière fervente pour briser la pauvreté. Vous savez, quand on veut faire une prière fervente, c'est différent. C'est différent. Aimez la page, aimez, liker la vidéo, s'il vous plaît. C'est différent. C'est différent. Mais quand on veut juste parler à Dieu, l'adorer, le louer. Quand on veut faire aussi des prières de combat, c'est différent. Voici la raison pour laquelle je prophétise que cette année ma vie ne sera pas un échec au nom puissant de Jésus. Cette année, ma vie ne sera pas un échec. Cette année, ma vie ne sera pas un échec. Cette année, ma vie ne serait pas un échec. Cette année ne sera pas un échec au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année, le ciel ne restera pas silencieux face à mes prières. Je prophétise que cette année, le ciel ne restera pas silencieux face à mes prières. Je prophétise cette année-là, le ciel ne restera pas silencieux face à mes prières. Je prophétise que cette année, le ciel ne restera pas silencieux face à mes prières au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année, mon succès ne sera pas converti en échec au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année, mon succès ne sera pas converti en échec. Au nom de Jésus, je prophétise que cette année, mon succès, mon succès ne sera pas converti en échec. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise que cette année, mon succès, mon succès, mon succès ne sera pas converti en échec au nom puissant de Jésus. Terre, écoute-moi. Terre de ce pays, écoute-moi. Terre du monde entier, écoute-moi. Ciel du monde entier, écoute-moi. Hommes et femmes du monde entier, écoute-moi. Être vivant du monde entier, écoutez-moi. Au nom de l'Éternel des armées, le décret est révoqué. La malédiction portant sur l'interdiction des est révoquée. La malédiction portant sur l'interdiction d'avoir du faveur et du bonheur est révoquée. Je prophétise que l'auvreté est brisée. Je prophétise que la malédiction est brisée. Je prophétise que je suis délivré. Je prophétise que je suis libre. Je prophétise que je suis riche. Je prophétise que je suis libre. Je prophétise que je suis riche. Au nom de Jésus. Je prophétise que je suis libre. Je prophétise que je suis libre. Je prophétise que je suis riche. Je prophétise que je suis délivré. Je prophétise que j'appelle. Je prophétise et j'appelle. Je prophétise et je décrète. 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 Je prophétise et je décrète au nom de Jésus. Je prophétise et je décrète le changement, je prophétise et je décrète la transformation, je prophétise et je décrète la libération, je prophétise et je décrète le déblocage, je prophétise le déblocage, le déblocage, le déblocage, le déblocage, le déblocage, le déblocage, le déblocage de ma vie, 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 de mes projets, le déblocage, de mes projets, je prophétise, le déblocage, le déblocage, le déblocage. Je je prophétise la restauration de ma vie, de ma femme, de mes enfants de ma vie, de ma femme, de mes enfants je prophétise, je prophétise je prophétise, je prophétise le déblocage le déblocage, le déblocage le déblocage, le déblocage au nom de Jésus-Christ porte, élevez-vous l'intou élevez-vous porte du monde entier élevez-vous au nom de Jésus que tous les cœurs qui ont été endurcis contre toi bien-aimé soient touchés que tous les cœurs qui ont été endurcis, tous les cœurs, tous les cœurs, tous les cœurs, que l'ennemi a maudit et a endurci, soyez débloqués. Tous Les cœurs qui ont été endurcis contre Monique, contre Allegra, tous les cœurs qui ont été endurcis contre Allegra, contre Allegra, contre Allegra, soit, soit libéré. Tous les cœurs, tous les cœurs remplis de haine contre toi, sois libéré, sois délivré. Oui, Seigneur, que tous les cœurs, que tous les cœurs, que tous les cœurs remplis de haine contre moi et logique ici, sois libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré, Tous les cœurs, tous les cœurs remplis de haine, remplis de préjugés, remplis de critiques, remplis de mauvaises pensez contre moi. Soyez libérés. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Je parle aux hommes, je parle aux femmes, je parle aux gens, je parle à mes proches. Tous les cœurs, tous les cœurs, tous les cœurs, tous les cœurs remplis de haine, remplis de vengeance, remplis de pensées négatives contre moi et ici. Soyez libérés, soyez délibérés, soyez vidés de la colère, soyez vidés, soyez vidés, soyez vidés de la haine. Tous les cœurs, tous les cœurs, tous les cœurs, tous les cœurs remplis de haine contre Véronique, remplis de haine, remplis de haine contre Justine, remplis de haine, remplis de gens jugement rempli de vengeance rempli de colère tous les cœurs tous les cœurs tous les cœurs toutes les pensées remplies de haine contre l'loge ici je prophétise que vous êtes libérés vous êtes libérés de l'emprise de vos manipulateurs vous êtes libérés vous êtes libérés vous êtes libérés tous les cœurs Rempli de haine, rempli de rejet, rempli de haine, contre quoi contre quoi si, sois libéré, sois libéré, sois libéré, tous les cœurs remplis de haine, contre Henriette, contre Henriette, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, je délivre le cœur de ton mari, qu'ils ont rempli de haine, je délivre le cœur de ton mari, prie avec moi, dis ceci, je délivre le cœur de ma femme, je délivre mon cœur, je délivre taux, nos cœurs, je délivre vos cœurs. Je délivre mon cœur. Je délivre le cœur de mes enfants. Je délivre tous les cœurs remplis d'haine, remplis, 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 remplis. Je délivre mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, rempli haine, rempli haine, rempli haine, rempli haine, Je délivre ton cœur, 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 rempli de colère, rempli de colère, rempli de colère, rempli de colère. Je délivre nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs rempli des haines, rempli de collines, colère, colère, rempli de colère, rempli de haine, rempli de mauvais souvenirs, je délivre mon cœur, je délivre mon cœur, je délivre mon cœur, je délivre mon cœur, Seigneur délivre mon cœur, Seigneur délivre nos cœurs, Seigneur délivre mon cœur, Seigneur délivre nos cœurs, Seigneur délivre, Seigneur délivre, Seigneur délivre, Seigneur délivre, Seigneur délivre, Seigneur délivre, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur de Koulibaly, Seigneur délivre les cœurs qui ont été remplis de haine, de, haine, de haine, contre nous, contre nos projets, soit délivré, soit délivré, soit délivré tous les cœurs qui ont été remplis de haine, de vengeance, de colère, de jugement, de préjugés, soit délivré, soit délivré, soit délivré, soit délivré. Je délivre tous mes cœurs, tous les cœurs, tous les cœurs, les pensées, les cœurs. Oh non de Jésus, tu vas reprendre Répète avec moi. Je prise la délivrance de mon cœur. Frère, moi, je suis là pour t'apprendre à prier. Et il y a une chose que mes prières font par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, mes prières peuvent délivrer. Et en même temps, mes prières peuvent t'édifier. C'est-à-dire que tu pries en même temps, mais la prière est un enseignement. Frère, Parfois, le diable remplit les gens d'haine. Toi-même, tu es étonné. Le cœur est rempli d'haine jusqu'à ce que ça te brûle. Pardonnez-moi. Amen. Ce qui, qui veut dire que si on donne un couteau à certaines femmes, elles vont découper leur mari. <coughs> si on en donne à certains hommes, ils vont découper leur femme. D'ailleurs, on a vu des hommes qui ont tué leur femme, des femmes qui ont tué leur mari. Oh, frère. <coughs> Pardonnez-moi. Le monde des ténèbres est capable de remplir une femme de haine et de colère contre son mari. C'est tellement brûlant dans le corps. Brûlant dans le cœur. Ça n'a pas de raison d'être là. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi ça est là. Parce que le travail a été fait dans le monde des ténèbres. Aïe, ils prennent ton cœur. Ils déposent. Ils allument un feu en bas. Frère, ou bien, comment ils font Ils recueillent ton sang dans le spirituel. Ils mettent le sang dans une, dans, dans, dans une chaudière et font bouillir. <laughs> Mon Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de faire bouillir le sang dans une chaudière, attention, on dit non. Les jeunes, mais elle attention, ton sang se trouve dans un pot maléfique. Ils sont en train de faire bouillir. J'invoque le marteau de l'Éternel pour briser, pour briser, pour briser toute chaudière maléfique qui est en train de faire bouillir mon sang. Pour briser toute chaudière maléfique qui est en train de faire bouillir mon cœur. Toute chaudière de feu maléfique. Le feu maléfique, c'était, 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 c'était. Au nom de Jésus. Frère, une jeune fille, on dit l'attention. Ah bon? Frères et sœurs, on a entendu des choses dans la vie. Hein. Ils prennent ton cœur. Ils allument un feu en bas. Ils prennent ton dos pour faire tam tam. Tu te réveilles ton dos là. On dirait, on t'a tapé. Douleur. Ils prennent ta tête pour faire ballon. Tu te réveilles, migraine aiguë. Toi-même tu es étonné, on dit ta tête va se casser. Ils prennent tête de quelqu'un pour le punir. Ils vont mettre entre deux bois et puis plonge la tête dedans et puis laisse le bois serrer ta tête. Immédiatement migraine, migraine qui te prend. Tu as mal. Aucun comprimé n'arrête ça parce que c'est mystique et maléfique. Regardez aujourd'hui, il y a des femmes. Elle te dit quelque chose. Quand tu t'énerves là, tu n'as pas remarqué que ton cœur te brûle même. Aïe! Une colère maléfique. Si je me trompe, dis-moi. Une colère maléfique. Ça dit que toi-même là, tu es en colère jusqu'à tu trembles. Tu sais qu'il y a un démon derrière. Aïe! Ton mari est en colère. Jusqu'à même, tu es obligé de cacher les enfants et de te cacher. Tu es même obligé d'aller dormir chez les voisins ou chez tes parents. Parce que tu sais que si tu restes là-bas, il va te tuer. Il se jette sur toi-même. Il sait ton coup. Tu es même en train d'agoniser, même il s'en fout. Son cœur a été divinement, spirituellement rempli, maléfiquement rempli de haine. Et puis quand il te déteste comme ça, il ne sait même pas pourquoi il te déteste. Parfois, c'est un petit truc pour que tout vole en éclat. Au moment où vous point d'être béni, il vient, il prend ton cœur, il prend son cœur dans le monde des ténèbres. Allez, battez-vous. Battez-vous. Et puis physiquement, ils viennent, une petite affaire, un petit désaccord. Parfois, c'est un bonsoir, bonjour, il n'y a rien fini. C'est la cause. Les conversations commencent à s'intensifier, à s'effronter, à s'échauffer. Bien-aimé, ils vont aller remplir les gens de haine. Aujourd'hui, là, même toi qui es là, là, il y a des gens que tu détestes. La haine dans ton cœur contre eux, tu ne les supportes pas. Mais tu ne sais pas pourquoi. Même toi-même là, il y a eu un moment, où tu m'as détesté. Tu m'as méprisé. Mes vidéos t'énervaient. Ma voix t'agaçait. Les démons là qui étaient dans ton corps là <laughs> ne supportaient pas ma voix. Tu as vu? Ça a été difficile quand tu as cette vidéo là, non? Ça a été compliqué. Finalement, tu as vaincu. Amen. Tu supportais pas la voix de qui c'est oh mon Dieu, on dirait que tu as été suicidé. Finalement, tu as vaincu, heureusement. <laughs> heureusement, hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus est bon et il est bon. Mon sauveur est bon et il est bon. En tout cas, Jésus a triomphé. Aujourd'hui, c'est toi qui brises, tu casses et tu annules. Un change d'air. De... Et qui c'était un sorcier avant. Maintenant, elle est devenue mon papa chéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. C'est bien. Donc, le diable est capable de te tromper comme ça sur une personne que tu connais même pas, qui ne pense même pas à toi, mais toi, tu le vois en ton sorcier. Ah oui, hein. Mon Dieu. Fais quelque chose dans ma vie. Jusqu'à maintenant, composition de loge qui est devenue ta chanson préférée. Fais quelque chose jusqu'à la maison là-bas, tu es là-bas. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Et suive-la pour toujours. Oh éternel, le Dieu de l'eau, j'ai Le Dieu de l'eau, j'ai Sois délivré. C'est bien. Sois délivré. Donc, bien-aimé, l'ennemi est quand même... Capable de remplir tes collègues de haine et les emmener à se liguer contre toi. Il Y a une seule là qui était tellement poisseuse. Elle est en Belgique. Elle là, sa poisse est légendaire. J'ai oh. elle là, sa poisse est légendaire. Elle travaille dans une compagnie. Tout le monde a signé pétition pour son renvoi. Tout le monde a signé pétition. On dit. Signons une pétition. qu'on la vide de l'entreprise? Il dit, tout le monde a signé pétition, même le patron a signé. Personne ne veut la voir dans l'entreprise. Et après, ils vont prendre la pétition pour aller montrer au grand, au grand boss. Pour dire celle-là, on ne la supporte pas dans l'entreprise. Yeah. Ça dit que le diable est capable de remplir des cœurs des haines. Des haines. Et de pousser les gens à être tes ennemis. Et même ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ton père, ta mère, mais ils te détestent. Seigneur, touche tous les cœurs qui ont été endurcis contre moi. Oh. il y en a là qui font semblant de m'aimer. Papa, on t'aime. Quitte là-bas. Tu aimes les prières de papa. Quitte là-bas, ta marmaille là. Donc c'est affaire là qui est là où oh. manipulation de la sorcellerie. Bien aimé, ce que je dis là, tu crois que c'est faux? Ton mari là, quand il va venir là? faut lui dire, chérie, assieds-toi, mes pieds sont fatigués d'être par terre. <laughs> On lui dit ça. Chérie, assieds-toi un peu. Mes pieds sont fatigués d'être par terre. Attends, déposer mes pieds sur toi. Il faut masser un peu. Tu vas voir. Il va passer de 0 à 100 000 volts de colère. Ah oui, hein? 0 à 100 000 volts. Il va te prendre tes deux pieds, jetés là-bas, même là. <laughs> Tu as venu expliquer, frère Eloïde, tu es dans la révélation. Et C'est un conseil d'ami. <laughs> Quand ton mari... <laughs> Amen. Quand ton mari va te venir, il faut lui dire, assieds-toi, mes pieds sont fatigués de manger par terre. Hein. C'est tout. En marchant dans la rue, il faut lui dire, je suis fatigué de balancer mes bras. Il <laughs> faut les être attrapés un peu. Bien aimé en dormant là, il faut lui dire, je suis fatigué de dormir sur le lit, viens me coucher sur toi un peu. Tu à voir, c'est le plafond qui va t'accueillir. <laughs> Donc, c'est pour vous dire que y a des gens là, vraiment, Satan les fatigue. Satan les fatigue. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout ce que mes ennemis ont fait pour remplir les gens, remplir les cœurs de haine contre moi là, j'ai détruit tout. Amen j'ai détruit tout il faut augmenter le volume il n'a qu'à bien entendre ce que j'ai dit là augmente le volume mon ami peut-être que toi-même c'est toi ta femme qui te fait ça augmente le volume là elle va savoir que ah, son problème là c'est un démon qui est derrière un démon qui ne supporte pas son mari qui ne supporte pas sa femme donc bien aimé ils sont capables de remplir quelqu'un de haine ta présence agace mais ton absence devient difficile oh mon dieu tu me manques. J'ai envie de te voir. Depuis que tu es allé en voyage là, tu viens pas même. C'est quand? Ah, mon patron dit de rester un jour encore. Oh mon Dieu. Oh chéri. Mais quand tu es là, laisse-moi respirer un peu. Laisse-moi respirer. Ah, c'est quoi? C'est quoi même? Ah, tu me suis partout là. <laughs> C'est quoi? Vous restez tranquille? C'est bien quelque part. Reste tranquille. Aïe. Bon, c'est l'affaire là qui est là. C'est votre vie là qui est là, mes enfants. Soyez bénis dans le nom de Jésus. <laughs> Soyez bénis. On oh, faut pousser là-bas. Ah, place qui est là-bas, là, tu vois pas. Yako, chrétien Yako, Yako. Pitié pour les enfants. Arrêtez de faire semblant. Yako pour vous. Ah, il faut pousser là-bas. allons Arrête de tirer le drap. Avant, là même, on pouvait te dire non, prends, 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 prends le drap. Il fait froid, couvre-toi et ça. Maintenant, là, c'est arrête de tirer le drap. Maintenant, ça tire les draps à gauche, à droite. Vraiment, les gens souffrent quoi. Tout ce que l'ennemi a fait pour remplir les gens de haine contre toi soit détruit. Il dit. Tout ce que l'ennemi a fait pour remplir les gens de haine. Toute malédiction qui fait que les gens, avant de coucher avec toi, ils sont contents et après avoir couché avec toi, ils, te... ils ont le dégoût. J'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit l'esprit des dégoûts, l'envoûtement des dégoûts, le dégoût qu'ils ont mis dans le cœur, dans l'esprit des gens contre moi, contre toi, contre nous, contre les enfants de Dieu. Je brise le dégoût qu'ils ont mis dans le cœur des gens contre Esther je brise le dégoût qu'ils ont mis dans le cœur de ton mari je brise le dégoût qu'ils ont mis dans le cœur de ta femme je brise le mépris qu'ils ont semé dans les esprits dans les cœurs dans les pensées dans les âmes je prophétise le brisement du dégoût le brisement du manteau le brisement des choses au nom de Jésus dis avec moi tout ce qu'ils ont fait pour endurcir les cœurs quand mon soin nul et sans effet. Alléluia. Seigneur, tout ce qu'ils ont mis sur moi spirituellement, pour que les gens me regardent avec mépris et d'idées je brise et je brisé, j'annule. Je brisé, j'annule. Tout ce qu'ils ont mis sur Véronique, je brisé, j'annule, je brise j'annul tout ce qu'ils ont mis sur eyum 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 je brise j'annule, je brise je brise je brise je brise je brise je brise tout ce qu'ils ont mis sur marthe tout ce qu'ils ont mis sur marthe tout ce qu'ils ont mis sur Sarah Touré je brise je brise je brise je brise, brise. enfant des dieux enfant des dieux enfant de Dieu, je brise tout ce qu'ils ont mis dans le cœur de vos maris, de vos femmes, de vos maris, de vos femmes, pour que vous soyez rejetés, vous soyez dégoûtés, pour qu'ils soient dégoûtés de vous, pour qu'ils soient dégoûtés de vous. Je brise je brise, 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 je brise le dégoût, je brise les choses, la haine, je brise. Au oh, oh. nom de Jésus. Bien ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas inventé. Il y a des hommes qui disent vis-à-vis -vis de leur femme, tu me dégoûtes. C'est pitoyable. Je ne sais même pas pourquoi même parmi toutes les femmes, c'est toi, je suis allé chercher. Frère, imagine une femme qui entend de telles paroles, après que l'homme ait abusé de son corps, elle se sent blessée, malheureuse. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas inventé ce que je dis là. Je suis un enseignant, un prophète. C'est la vérité. Comment un homme peut ouvrir la bouche pour insulter les parties intimes de sa femme, en fait, ce n'est même pas lui. L'ennemi a mis en lui le dégoût. Les maris aiment faire ça. Il dépose des choses dans vos corps. Ça, que le dégoût et la haine. Bien aimé. Il y a des femmes qui sont là-là. Tu sais pas ce que ton mari t'a fait mais il t'énerve. L'ennemi va faire en sorte que il t'énerve. Quand je prêche là, je n'invente pas. Ce sont des choses que des gens vivent. Vous n'allez pas me dire que le Saint-Esprit se trompe. Amen. D'ailleurs, même si vous voulez pas reconnaître, c'est ce que vous vivez. Vous vivez ça. Il y a des hommes qui sont venus, ils étaient chauds, chaud 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 chaud. Et après vous avez eu, vous avez vous avoir eu là. Vous la, vous, ils ont eu du dégoût. Du dégoût. Les belles paroles et les promesses ont disparu. C'est le dégoût. Toi-même qui es là, là, en tant que femme, là, il y a eu des hommes que tu étais chaud, 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 chaud. Tu croyais que tu les aimais. Première nuit, deuxième nuit, tu t'es senti dégoûté. Tu as même regretté même de les avoir, d'être allé avoir des rapports avec ce monsieur. Tu as eu le dégoût. Il y a des femmes qui reviennent même de certains rapports, elles ont des remords, le dégoût, le dégoût est là. Tu as été dégoûté. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu t'es senti mal au fond de toi, dégoûté. Oh mon Dieu, tu voulais même plus que ça se répète. Tu as même pris le téléphone. Euh, allô, oui, euh, c'est moi. Euh, je, je peux te parler une minute Oui, euh, je t'écoute. Ah, tu es bien rentré Oui, je suis bien rentré. Mais je ne me sens pas bien. Ah, Qu'est-ce qu'il y a Tu es malade Non, je ne suis pas malade. Mais je pense que ce qu'on a fait là, on n'aurait pas dû faire ça. Je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas ci, je ne me sens pas ça. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas en train de mentir. Tu as déjà fait ça, ma soeur. Ou bien le gars appelle la fille, euh, je peux te parler Oui, je sais qu'on a passé un bon moment, mais excuse-moi, mais je pense que c'est une erreur. Quoi Une erreur. Hé hey! <laughs> C'est comme ça la femme ivoirienne répond. Elle dit quoi? Quoi? Une erreur. Hé, hey, tu ne m'as pas dit que c'était bien? <laughs> Pardon, dis-moi, sœur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'inspire vos vies. M'inspire vos vies. <laughs> Et puis, il y en a qui disent faut il venir, faut venir me trouver si tu as me dit ça. <laughs> <laughs> Mes soeurs ivoiriennes, I love you girls. Alléluia. La vérité, moi, je sais pas où. C'est Dieu qui met des choses dans mon cœur comme ça. <laughs> euh, amen. 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 <laughs> Alléluia. Non, un homme de Dieu doit dire la vérité pour, pour vous réveiller. Parce que beaucoup d'entre vous avez des esprits qui vous fatiguent. <laughs> Maman Persépus, tu as entendu quoi? Moi, je n'ai rien dit. Donc voici l'affaire là qui est là. On va briser. Ma ange, je n'ai rien dit. Hein? Alléluia. <laughs> euh, viens dire ça devant moi ici. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez pas dit que. Vous, vous n'avez pas dit que vous vous cachez. Dieu vous voit où? Mmh. Alléluia. Donc, c'est affaire là qui est là. Je brise tout ce qu'ils ont sémé dans le cœur des gens contre toi. Bien aimé, on termine dans huit minutes pour revenir plus tard. Je prophétise, hein? J'ai Je... la terre. Que la terre commence à enregistrer le nouveau décret. Elle est née pour réussir. Amen. Elle est née pour réussir. 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 Je suis né pour réussir. Tu es né pour réussir. L'amour désormais devient une chose permanente. Dis avec moi l'amour dans mon mariage, la paix dans mon mariage, l'amour dans mon mariage, la joie dans mon mariage, l'amour dans mon mariage, la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, au nom de Jésus. Je prophétise le succès, je prophétise la richesse, je prophétise la grâce, je prophétise sur ta vie. Assez d'humiliation, assez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis né pour réussir. Je prophétise que la malédiction des pauvretés soit brisée, la malédiction des chèques soit brisée, la malédiction des pauvretés soit brisée, la malédiction des chèques soit brisée, la malédiction des pauvretés soit brisée, la malédiction des chèques soit brisée, au nom de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise que la malédiction soit brisée. Tout ce qu'ils ont fait. Pour remplir mon cœur, pour remplir nos cœurs, de haine, de rejet, de mépris, soit brisé. Je prophétise que tout ce qu'ils ont fait, que tout ce qu'ils ont fait, pour remplir nos cœurs, pour remplir nos cœurs, de haine, de haine, de haine, soit brisé. Je prophétise que tout ce qu'ils ont fait, pour remplir nos cœurs, de haine, soit brisé. Je prophétise que tout ce ils ont dit tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont fait pour remplir mon cœur mon âme mon esprit des haines soit brisé je prophétise que le voile des haines soit brisé je prophétise que la malédiction soit brisée je prophétise que la malédiction soit brisée soit brisée soit brisée soit brisée soit brisé soit je prophétise que la malédiction Soit brisé, je prophétise. Que tout ce qu'ils ont fait pour remplir les âmes, les esprits, les cœurs, les pensées, les âmes, les esprits, les cœurs, les pensées, des haines contre moi soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, je prophétise. Que la malédiction soit brisée, je prophétise. Que la malédiction soit brisée, je prophétise. Que les paroles soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise. Amen. Je prophétise que cette année, la date de mon miracle ne sera pas reportée à une date ultérieure au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année, la date de ma faveur ne sera pas reportée à une date ultérieure au nom de Jésus. Je prophétise que cette année, mon compte bancaire ne restera pas sans être fourni, ne restera pas sans être fourni au nom de Jésus. Je prophétise que cette année, ma famille et moi serons toujours au bon endroit et au bon moment, dans les bonnes circonstances, au nom de Jésus. Je prophétise que cette année, ma famille et moi, ma femme, mes enfants et moi, nous serons, nous serons au bon endroit, au bon moment. Dans les bonnes circonstances, avec des bonnes personnes, dans des bonnes circonstances, dans des bonnes circonstances, dans des bonnes circonstances, dans des bonnes circonstances, dans des bonnes, bonnes circonstances, au nom de Jésus. Je prophétise que cette année, ma famille et moi, nous serons au bon endroit et au bon moment, au nom de Jésus. Je prophétise que cette année, cette année, Là où j'avais été rejeté, méprisé, insulté, accusé, je serai accepté et béni. Je serai accepté et béni. Je serai accepté et béni. Je prophétise que la pauvreté est brisée. Je prophétise que les limitations sont brisées. Je prophétise que les portes s'ouvrent. Portes élevées volentôt. Je parle au cœur à travers le monde. Je parle aux esprits à travers le monde. Je parle au cœur à travers le monde. Soyez touchés par la puissance de Dieu. Soyez touchés par la parole de Dieu. Soyez touchés. Soyez touchés. Je parle à l'univers. Je parle aux hommes. Je parle aux esprits. Je parle aux femmes. Je parle aux âmes. Je parle. Je parle. Le décret est révoqué. Le décret portant sur l'interdiction de m'aider de est révoqué. Le décret portant sur l'interdiction de me fréquenter est révoqué. Le décret portant sur l'interdiction est brisé. Le décret portant sur l'interdiction de réussir. Est brisé. Le décret portant sur l'interdiction de prospérer est brisé. Le décret portant sur l'interdiction est brisé. Le décret portant sur l'interdiction de faire certaines choses est brisé. Le décret portant sur l'interdiction de faire certaines choses est brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare le décret brisé. Je déclare la malédiction brisée. Je déclare le problème brisé. Je déclare... Le décret, le décret, le décret brisé. Je déclare le décret, le décret, le décret brisé. Je déclare le décret, le décret, le décret brisé. Je déclare le décret, le décret, le décret brisé. Je déclare le décret, le décret, le décret brisé. Au nom de Jésus, toute parole qui dit que il est interdit pour moi de réussir au Canada, il est interdit pour moi de réussir au Canada. Soit brisé, soit brisé. Soit brisé, soit brisé, sois brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je parle au ciel de ce pays. Je parle à la terre de ce pays. Je parle aux hommes de ce pays, je parle aux femmes de ce pays, je parle aux hommes, aux femmes de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les nations, de tous les pays. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle et je déclare le décret est brisé. 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 Les décrets dans ma famille Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, brisé. les limitations soient brisées. Je proclame, je prophétise, je proclame, je prophétise, que, 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 que le décret soit brisé, 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 que le décret soit brisé. Je proclame, je proclame, je proclame, je proclame, je proclame, que le décret est brisé, la malédiction soit brisée. Au nom de Jésus. Je parle aux hommes, je parle aux femmes, je parle aux esprits, je parle aux gens, je parle à tout le monde, je parle à tous ceux, oh oui, que tous les cœurs, les esprits, l'univers entendent ma parole, 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 entendez ma parole ainsi parle l'éternel, ainsi parle l'éternel. Le mépris est brisé. Le jugement est brisé, le rejet est brisé, le jugement est brisé, le rejet est brisé, le jugement est brisé, le rejet est brisé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise, je prophétise, je prophétise, que le décret est brisé, que le décret est brisé, que le décret est brisé, que la malédiction est brisée, que la malédiction est brisée, que la malédiction est brisée, que le décret sur Rennes est brisé, le décret sur Francine est brisé. Décret est brisé, le décret est brisé, le décret est brisé, je prophétise, je prophétise, je prophétise, que la mort prématurée est brisée, 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 brisée. je prophétise, que je suis libre, je prophétise, que je suis libre. Je je prophétise que je suis libre. Je prophétise au nom de Jésus. Alléluia. Ouf, je me sens tellement bien. Je me sens bien. Bien-aimé, respire un peu, tu vas voir. Je me sens bien. Je sais que tu te sens bien. Alléluia. Bien-aimé, les gens peuvent interdire les gens de t'approcher. Les gens peuvent interdire les gens de te fréquenter. Mais bien-aimé, dis à quelqu'un, le Seigneur est Dieu. Mon bonheur ne dépend pas d'un homme, mais mon bonheur dépend d'un Dieu qui touche qui il veut. Le décret est brisé. La malédiction aujourd'hui soit brisée. Tout le mal qui avait été fait contre toi, Sois brisé. Amen. Sois brisé. Je vous ai déjà dit que les prières prophétiques sont puissantes. En passant, n'oubliez pas qu'on a quatre puissants livres de prières. Indispensables. J'ai cinq livres, mais il y en a quatre que je recommande à tout le monde. Vous voulez des stratégies de prières puissantes vous voulez des stratégies de prière efficaces. Vous voulez des stratégies de prière rentables. Vous voulez des stratégies de prière très puissantes. Vous voulez des stratégies de prière très fortes. Bien-aimés, nous avons quatre puissants livres de prière. Nous avons né pour combattre le diable. Recommandez fortement à tous les chrétiens. Nous avons les mauvais rêves, comment les briser. Ça, là, c'est conseillé à tous les chrétiens. Nous avons aussi les autres livres. La raison pour laquelle je ne recommande pas le livre bleu, c'est parce que le livre bleu, il est destiné aux gens qui veulent se réaliser. Il est destiné aux gens qui veulent accomplir des choses. Mais tous les autres livres sont destinés aux gens qui veulent prier. Le livre bleu est très bon, mais tous ceux qui m'appellent disent Je veux donc, je dis seulement pour les autres livres. Mais le décret est révoqué. Je l'annule définitivement. Je révoque définitivement. Je proclame que tout ce qu'ils ont fait pour remplir les hommes et les femmes des haines contre toi soit brisé. Tout ce qu'ils ont fait pour remplir tes collègues d'haine et de mépris, soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qu'ils ont fait pour remplir ton mari d'haine contre toi soit brisé. Tout ce qu'ils ont dit pour remplir les gens d'haine contre François Géry soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour remplir les cœurs, les pensées, les Cœur, que la cœur, les des hommes et des femmes autour de toi, autour de moi, autour de nous, hein, des haines, soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été, dit, tout qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour, pour remplir nos cœurs des haines, soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit pour remplir nos cœurs haines, des jugements, des colères soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit pour remplir nos cœurs, nos cœurs, nos pensées haines, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je prophétise, je prophétise, je prophétise que tout ce qui été dit pour mettre une barrière entre moi et mes proches soit brisée la barrière soit brisée la barrière soit brisée la barrière soit brisée je prophétise je prophétise je prophétise que la pauvreté soit brisée la pauvreté sur ma vie soit brisée la pauvreté sur mon âme soit brisée. La pauvreté, sur mes enfants, soit brisée. La pauvreté, sur mon esprit, sur ma vie, sur mes pensées, soit brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. Je prophétise que la pauvreté soit brisée. Je prophétise que la pauvreté dans ma vie, la pauvreté dans ma famille, la pauvreté dans la vie de mes enfants. La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté soit brisée. Je prophétise. 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 Je prophétise ma malédiction de pauvreté soit brisée 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 brisé. je prophétise je prophétise je prophétise je prophétise je prophétise je prophétise que les barrières soient brisées 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 je prophétise je prophétise je prophétise que les préjugés que les, les gens contre moi soient brisés je prophétise contre les préjugés, je prophétise contre les préjugés, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, que le mal, que le mal, que le mal soit brisé, que le mal soit brisé, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise. que la malédiction soit brisée au oh, nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas invoquer la faveur sur ta vie. J'invoque sur moi la faveur et la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. J'invoque sur moi la faveur et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. J'invoque sur moi la faveur et la grâce au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année, tout ce que je demande me sera accordé au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je prophétise sur la vie des Judith. Je prophétise sur Pascaline. Je prophétise sur Yameda. Je prophétise sur ma maison. Je prophétise sur l'œuvre de mes mains. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur mes frères. Je prophétise que tout va bien. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ma gloire. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prophétise le brisement des rites et des alliances. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Que tout change dans la vie de Valérie. Je prophétise le brisement des chaînes dans la vie de Valérie. Je prophétise, que les chaînes se brise, je prophétise, que les liens se brisent, je prophétise, que les chaînes se brise, je prophétise, que les liens se brisent, je prophétise, que les cordes se brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise le succès sur Marie-Christine. Je prophétise sur mes enfants, le bonheur, la chance, la faveur. Je prophétise sur tout le monde, le bonheur, la chance et la grâce. Je prophétise. Alléluia. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise le changement. Je prophétise que ma situation soit rétablie. Je prophétise. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise que les chaînes soient brisées. Je prophétise que les chaînes. Je prophétise que les chaînes soient brisées. Je prophétise que les chaînes soient brisées. Je prophétise que tout ce qu'ils ont mis dans mon sein, dans mon cœur, dans mes pensées soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Tout ce qu'ils ont fait contre moi pour me pousser à me détruire soit brisé. Je prophétise. Que tout ce qu'ils ont fait contre moi pour me pousser à me détruire soit brisé. Je prophétise. Que tout soit brisé. Je prophétise. Que tout ce qu'ils ont fait contre moi pendant la nuit, pendant le jour, soit brisé, je prophétise. Que tout le mal qu'ils ont dit et fait, qu'ils ont dit et fait soit brisé, 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 soit brisé soit brisé, je prophétise. Que les liens soient brisés, 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 que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je prophétise que le code, le code, le code satanique dans mon sang, dans ma vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé pour toujours, soit brisé définitivement. Je prophétise que le code, le code satanique, le code, le nom satanique, le code, le nom satanique soit brisé, soit Soit brisé, 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 je prophétise, je prophétise, que tout hôtel qui a été bâti contre mon foyer, tout feu qui a été allumé, soit et sans effet, soit brisé, 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 soit brisé. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, que la chaîne soient brisé au nom de jésus amen voilà bien aimé nous allons remercier le seigneur j'espère que vous avez été bénis la journée est encore longue pour moi amen la journée est encore très longue pour moi la journée est encore très longue pour moi. La journée est encore très longue pour moi. La journée est encore très longue. Donc, bien-aimés, on va remercier le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, je te remercie. Je te loue. Je te magnifie. Nous voulons continuer à prier pour nos familles, continuer à prier pour tes enfants, continuer à faire ce que nous avons à faire. Mais Seigneur, il n'y a que nous puissions faire ces choses. Éternel, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, et nous te confions la fin de cette prière. Seigneur, nous avions eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Aide-nous, Seigneur, à réussir. Aide-nous, Seigneur, à avancer au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te glorifions pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, que toute attaque après cette prière soit nulle et sans effet. Que tout problème après cette prière soit nulle et sans effet. Que tout événement diabolique après cette prière, toute attaque soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus, j'ai prophétisé. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé. Nous avons terminé et je vais te laisser aller continuer à prier. Je pense que d'ici quelques heures, notre site Internet reviendra en ligne. Mes techniciens sont en train de travailler et le Seigneur fera quelque chose. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous pour la prochaine prière. Qui a été béni? Moi, je l'ai été. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci, 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 merci. Bien, nous allons terminer. Seigneur.